Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle demi-finale du MSI et pas n'importe laquelle, bien sûr, une affiche légendaire à l'international. On parle bien sûr de G2 Esports face au T1, le meilleur de l'Europe contre le meilleur de la Corée. C'est un banger annoncé, messieurs. Ouais, c'est de mon point de vue le meilleur BO possible, tout simplement, dans le League of Legends moderne. C'est le BO que j'aime le plus regarder et j'espère qu'on aura un gros match entre T1 et G2 aujourd'hui, qu'on n'aura pas de, en tout cas pas de 3-0, ni d'un côté, ni de l'autre. Twix, c'est une rencontre qui a notamment permis aux G2 d'écrire leur lettre de noblesse à l'international. Absolument, c'est certainement, ça fait partie de leurs victoires les plus précieuses dans l'histoire du club. Et sur la scène internationale, très peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir vaincu SKT, du coup, à l'époque, en best of 5. G2 en fait partie et c'est certainement l'un des plus gros challenges de T1 aux côtés de Damwonkia. Absolument, absolument. C'est vrai que la rencontre qui nous attend va être absolument incroyable. On a un récap vidéo de la rencontre d'hier tout de même. On a eu Royal Never Give Up contre les Evil Geniuses, les champions de Chine contre les champions d'Amérique du Nord. Oh, t'es dur, Twix. Même s'il y a eu 3-0, t'es dur, il y a eu des moments quand même, Tréton, en faveur des Game 2 et Game 3, il y a eu des choses. Game 1, il n'y a rien eu du côté de IG, c'était vraiment très difficile. Attends, il y a eu un kill et un dragon quand même, il me semble. Ah oui, donc ils sont pas fait perfect, mais c'est pas passé loin. Mais en vrai, on a eu un peu peur, parce que c'était que ça le BO, ça aurait été un peu relou, on va pas se mentir. Et c'est aussi parce que la RNG avait peut-être la composition la plus forte entre leurs mains. Ils avaient le Galio de Xiao, qui est beaucoup trop fort avec la Kai'Sa de Gala. C'était vraiment très facile pour eux d'engage et de détruire les pauvres Américains qui en Game 1 n'ont pas existé. Ouais, ça a été délicat effectivement pour les Evil Geniuses. Comme vous le voyez au niveau du bilan, un dragon et un kill pour les IG. Maigre bilan de leur côté, mais c'était mieux en Game 2, Twix, avec une grosse draft de teamfight pour les Américains. Oui, tout simplement parce que la stratégie dans ce BO5 pour les IG, c'était simplement de récupérer tous les picks joués en Game 1 par les RNG et de ban les principaux. C'est pour ça que leurs bans ont totalement changé de Game 1 à Game 2. Celle-ci était bien meilleure. On a eu une Ahri beaucoup plus... enfin, une midlane beaucoup plus impactante qu'un Corki, forcément, c'est pas très difficile. Mais surtout, des performances individuelles qui ont été très satisfaisantes. Pas forcément là où on les attendait, puisqu'on s'attendait à peut-être un Impact qui discute. Mais non. C'était bel et bien Jojo Pyun, c'était bel et bien Dani. Et bien entendu, le MVP 2021 du LEC Inspired. Ces trois joueurs ont été particulièrement étincelants, chacun sur leur timing. Et du côté de RNG, un petit peu surpris... par contre, de la mauvaise performance, entre guillemets, en Game 2, Game 3 aussi, de Gala, qui est un petit peu descendu, qui n'a pas forcément fait les meilleurs plays, qui ont fait quelques petits throws, RNG autour du Baron Nashor, qui ont fait aussi des petits loupés. Alors, est-ce que c'est des loupés parce qu'ils étaient tellement supérieurs aux EG qu'ils sont pas vraiment très rares, de ce qu'il y a vraiment des petits soucis côté RNG? Ben, on verra directement en finale. Peut-être un jour, on n'a pas été 100% précis et tranchant dans ces calls, hein, du côté des RNG, mais dans tous les cas... ça fait 2-0, Twix, et une Game 3 avec ce comeback, parce que jusque-là, le match était tout de même à sens unique. Oui, complètement, et dans cette ultime game, c'était principalement Inspired et Dani, quelle performance colossale de sa part, ciblée au niveau des bans, un match-up pas forcément des plus agréables, hein. Miss Fortune d'Angzala, c'est tout à fait correct, mais une Miss Fortune qui est forcée de partir auto-attaque crit, on ne peut plus classique. Et donc avec autant de menaces en face, on s'attendait déjà à une game catastrophique de sa part. Et bien que nenni, il a été absolument glorieux et a pu offrir à Inspired quelques petits festivals de reset qui ont fait un petit peu durer le match. Mais malheureusement en face, il y avait un homme, il y avait une Lissandra de Xiaou qui a été sortie deux fois contre Dehari, qui a très bien fonctionné et qui fait peur avec ce champion. Maintenant, il fait peur avec Galio, il fait peur avec Lissandra. Mais qui est en finale? Mais je me demande, il va être annoncé. Alors, c'est les RNG, bien entendu, qui joueront demain le best of 5 de la grande finale du MSI. Aujourd'hui, c'est donc un T1 contre G2 Esports qui est au menu, messieurs. Et quel menu? Miam. Quel menu, honnêtement, on se régale. C'est du gastronomique qu'on nous a servi aujourd'hui. Alors, parlons un peu historique, puisque voilà, on vous bassine. Si vous êtes arrivé il y a peu sur League of Legends, eh bien, yes. vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a eu entre les T1 et les G2? Alors, le bilan sur les compétitions internationales où ils se sont rencontrés, ça a commencé en 2016 avec un bilan sans appel en faveur de T1. Hein. Les G2 n'avaient pas passé la phase de groupe du MSI, c'était le fameux même G2, les vacances de G2, hein, G2 for Vacations. Le MSI 2017 avait été bien meilleur tout de même du côté des G2 puisqu'ils avaient pu se hisser en grande finale où ils avaient perdu 3-1, mais ils n'avaient pas gagné un seul match pendant la phase de poule. Hein. Comme à gauche, c'est le bilan match par match, donc ça compte aussi le bilan des BO5. Comme vous voyez, bon, G2 n'avait pas gagné en phase de poule.
Et derrière, c'est 2019, c'est l'année de gloire de G2 Tréton. Ouais, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment pris le pas en tant que G2 sur les T1, qu'il y a eu cette fameuse rivalité qui a été créée aussi du côté de la Corée au passage, où vraiment c'est les grands némésis G2 qui ont éliminé deux fois coup sur coup dans la même année au MSI et au World les T1 avec un Caps qui jouait très très bien déjà à l'époque. Donc le match-up Caps Faker en plus a beaucoup d'histoire déjà à ce niveau-là. Ouais. Et deux demi-finales en 2019 qui avaient été remportées par les G2. Et donc voilà, comme je vous le disais en introduction du pré-show, c'est le moment où vraiment les G2 ont marqué de leur empreinte la scène internationale face au SKT T1 à l'époque. Les G2, Twix, il faut tout de même rappeler que sur ce split, sur cette version de G2 2022, il y a un G2 en BO1 et il y a un G2 en Best of 5. Comme le traduit, alors c'est le bilan bien sûr. Du LEC, et on voit justement G2 en BO5 en LEC qui ont été tout simplement impressionnants et qui sont passés dans une autre dimension. Bien sûr, tout ça c'est contextuel, bien entendu, hein, tout cela c'était en Europe, mais le fait est quand même que ces BO5 étaient très largement dominés de leur part, et il y a une série de 3-0 qui les a amenés, directement à ce MSI, et malgré tous les changements qu'on a pu subir au niveau des G2, on a quand même gardé une excellente base avec le mid-jungle, bien entendu, et surtout de l'autre côté, les compléments qu'on a apportés ont des profils qu'on pourrait un petit peu comparer quelque part à la génération 2019, laquelle ça reste à confirmer, mais quelqu'un comme Broken Blade a tout de même la légèreté et la diversité de pick qui nous rappelle un Wunder à son prime, bien entendu. Et donc, on rajoute à ça une petite dose de draftologiste avec Targamas. Et on a une équipe qui a tout le potentiel, en tout cas, toutes les pointes qui permettraient de clutch sur un best of five, y compris contre T1. Ouais, ouais. Et on espère que bien sûr ce sera un match très engagé entre les deux équipes et que les G2 pourront jouer leur jeu. Au niveau des statistiques des deux équipes sur ce Rumble Stage, petit comparatif donc qui nous met dans l'ambiance. Tréton, un des gros problèmes pour G2, et ça va être un des axes de discussion bien sûr majeur de ce pré-show, c'est notamment l'early game, oui. La phase de lane où on peut voir une différence assez énorme entre les deux équipes. T1 est colossal à ce niveau-là, c'est vraiment... On entend de toute façon les joueurs individuellement très très forts et forcément ça se voit dans les phases de lane. Faudra voir si G2 est capable de tenir, parce que c'est même pas la discussion. Est-ce que G2 peut les gagner ces phases de lane? Le but, c'est de ne pas avoir trop de retard au gold pour pouvoir peut-être après enclencher en mid-late game où G2 est une bonne équipe. C'est un petit peu la suite de questions que l'on va répondre dans cette journée. Les G2... Quel positionnement à aborder? Est-ce qu'on veut challenge directement Selling Phase? Est-ce qu'on veut simplement stabiliser? Est-ce qu'on veut scale? Ou est-ce qu'on veut, à l'image des G2 de 2019, simplement donner une énorme dose de folie et rendre les games totalement insupportables, qui partent à gauche, à droite, split, flank, etc. Enfin, des choses qui permettraient de désarçonner les T1 sur leur étalon de macro qui se porte si bien en ce moment. Un petit bilan en face à face, bien sûr, 1-1 dans ce Rumble Stage entre G2 et les T1. Et comme vous le voyez, donc, cette fameuse histoire de l'early game se confirme dans les confrontations en face à face. Les G2 qui avaient lourdement perdu leur lead dans les deux rencontres, mais qui en game 1 avaient une super draft de teamfight. Et d'ailleurs, Tréton, tu reviendras plus tard sur l'évolution des drafts pour les deux équipes. Et ils avaient aussi eu la chance que T1, à ce moment-là, sur les Barons Nashor, n'était pas forcément toujours pixel perfect, mais c'était pas forcément une de ces games où ils ont throw, mais juste en mid-game, ils n'avaient pas forcément le meilleur niveau de jeu qu'on connaît du côté de T1, et c'est vrai qu'une draft avec full engage, ça aide. Quelques statistiques pour situer un peu la performance des 10 protagonistes. On va commencer par les dégâts par minute, hein, pour constater que du côté des T1, c'est assez élevé un peu partout. On est en deçà chez G2 sur tous les postes, à part légèrement devant du côté de Caps. Ça va être l'histoire en plus du BO d'aujourd'hui. Il va falloir un très grand Caps a priori pour les G2 si on veut passer la montagne T1. On enchaîne avec la kill participation. On voit également à ce niveau Twix des T1 qui ont de meilleures stats en général, à part du côté du mid, encore une fois, où c'est un peu du côté de Caps. Et encore une fois, Caps qui est un peu le détonateur de l'équipe G2. Oui, absolument. C'est l'élément principal. C'est le poste où on sait qu'on peut avoir un surclassement du côté des G2. Le problème, c'est que les T1 se sont quand même pas mal illustrés, notamment cette année et même depuis l'année dernière avec l'acquisition de ce roster, bien sûr le fait qu'ils étaient capables de jouer sur
sur tous les protagonistes, sur tout le 5, sur tout le collectif. N'importe qui chez T1 peut être l'arme de destruction massive, tandis que chez G2, on peine tout de même encore à confirmer qu'il y a un autre candidat que Caps qui soit au centre des plans de jeu. Et donc pour T1, en termes de plan de jeu, c'est simple, il faut juste attaquer le mid-jungle, en tout cas empêcher Caps et Yonkos de faire vraiment des choses, et on le voit en termes même d'early game, il n'y a que Caps qui est plus ou moins even, mais sur les side lanes, ça peine quand même un petit peu forcément dans les 15 premières minutes, là où du côté de T1, bah, Faker est quand même bien devant, 400 gold c'est quand même beaucoup en réalité à 15, et quand tu vois les side lanes, l'avantage est juste ridicule en plus du fait d'avoir potentiellement le meilleur jungler de la compétition avec un honneur qui est très très en forme. Attention à l'early game pour les G2. Dans les aspects intéressants, bien sûr, on va se pencher sur la jungle proximity. Quelles sont les tendances pour les deux équipes? Où est-ce qu'on a le temps? Où est-ce qu'on va le plus jouer? Eh bien, on peut voir que du côté des G2, encore une fois, ça penche fort vers la mid lane, bien sûr. Tandis qu'on voit du côté T1, petite préférence vers la top lane, du côté d'un Zeus qui est hors norme, Twix. Hors norme, ouais. Pourquoi pas le dire. En tout cas, il a les clés de tous les match-ups dans tous les sens. C'est plutôt ça. Il est hors norme dans le sens où on ne peut pas véritablement le surprendre à part en sortant véritablement des sentiers battus et en sortant des pics qui sont inédits actuellement dans ce MSI, tout simplement. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on peut attendre les G2 aujourd'hui. Et c'est là-dessus notamment que se sont exprimés les RNG en conférence de presse d'après-match hier. On leur a posé la question, alors pour le match de demain, vous voyez quoi? Ils ont dit T1 devrait gagner, mais si les G2 sont capables de sortir des pics surprenants, alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas, s'ils arrivent un peu à déstabiliser les T1, il y a matière à faire quelque chose. Et c'est la grande question, hein, du coup, est-ce qu'on va réussir à déstabiliser les champions de Corée du côté des G2? On va parler justement de ce match-up au niveau... Lightmap. Lightmap tout d'abord, donc au niveau de la jungle. Justement, où est-ce qu'on a tendance à se diriger? On voit beaucoup d'impact top lane du côté des T1, traitons. Et du côté des G2, c'est un peu plus du côté du mid, en tout cas plus d'impact autour de la mid lane que du côté T1. C'est vraiment, c'est Yonkos, en gros du côté T1, on utilise la priorité de Faker pour bouger sur la carte et pour surtout aller aider la top lane. Du côté de G2, dès qu'on a des priorités sur les sides, on converge vers Yonkos, vers Yonkos et vers Caps, et on joue sur la mid lane au maximum. C'est un petit peu la différence de style, et des deux côtés, je suis assez surpris par le peu de points sur le bot side. En globalité, c'est étonnant de voir si peu de jeux avec la botlane qui est quand même assez importante en early. C'est vrai. Ça veut dire aussi peut-être que c'est un MSI top lane centrique, Twix. Totalement. Mais c'est exactement ce qu'on a vu actuellement dans tous les matchs. Et je pense qu'on ne peut vraiment pas considérer qu'il y ait une autre position qui soit au centre de la méta de ce MSI, à part le top side. Il y a beaucoup de réponses. Il y a des blinds aussi qui sont extrêmement féroces. Des picks qui sont lock directement en phase de ban, blue, red. C'est pas grave, on les enlève quoi qu'il arrive. Non, clairement, c'est le top side qui mène la danse dans la méta du MSI. Il y aura peut-être des exceptions. Oui. Mais ce sera vraiment du cas par cas, du game par game, de la Kalista bien draftée, des choses comme ça. Mais globalement, le plan de jeu basique, il va quand même vers le top. Le top side, bien sûr, c'est Bibi contre Zeus dans la rencontre du jour. Une confrontation qui semble relativement inégale pour l'instant sur le papier, mais on sait malgré tout que Bibi a beaucoup de talent, traitons. Oui, il a beaucoup de talent maintenant. Zeus, lui, est limite surperforme, déjà qu'il a un niveau de fou, il est encore meilleur, il est tout le temps devant sur la lane, il a, comme l'avait dit Twix, il comprend très très mal la méta top lane, et Broken Blade, il faut le dire, lui sous-performe peut-être un tout petit peu, en tout cas sur les carries, il n'a pas fait des performances qu'on attendait, on attendait potentiellement justement au niveau de Zeus, de Bean, pour le moment il n'a pas encore montré sur les carries, donc à voir si on est capable de monter en termes de niveau de jeu du côté de Broken Blade, ou si juste on va être en tank duty peut-être dans ce match. Petit résumé du win rate en situation de counter pick et de blind pick. On voit encore une fois un certain avantage en faveur de Zeus. Mais malgré tout, les counter pick de Broken Blade semblent... Ils ont un win rate positif, donc ça reste quand même une bonne nouvelle du côté G2. Bien sûr, mais on n'a pas eu de classique dans les grandes affiches de ces phases de knockout set, dans ces phases de groupe. On n'a pas eu, par exemple, le phénomène Riven qui s'est passé comme prévu, le phénomène Vladimir qui s'est passé comme prévu aussi pour Broken Blade. C'est, je pense, ce à quoi faisait référence Tréton. C'est que les counterpicks, on les a, mais est-ce qu'on les pilote de manière à les rendre gagnants et en faire des wincon? Pas forcément, il faut le dire. C'est pas évident. On est d'accord à ce niveau. En tout cas, c'est pas ce que Bibi nous a forcément montré. Petit retour sur Zeus dans le match-up Gwen-GP. Alors, ces deux champions qui sont les numéro 1 sur la top lane de très loin. Ce sont vraiment les champions les plus piques. Derrière, en troisième position, on a Ornn. Et on voit Zeus
des deux côtés du match-up, traitons, la marque des grands. Et c'est pour ça qu'il faut sûrement sortir Gwen. Ça, c'est relou. Je pense que s'il y a Gwen, je pense qu'on est dans le mal, que ce soit pour Broken Blade ou si c'est pour Zeus. Dans tous les cas, pour Broken Blade, je pense que quand il y a Gwen, on n'est pas bien sur la top lane. Donc autant le sortir, comme ça, ça au passage, ça met moins de priorité sur GP. Ça sort un petit peu le Vlad sur lequel il n'est pas forcément très très bon. À moins qu'il soit reconfiant de tenter la Riven. Je pense qu'il peut le tenter une game. Peut-être. C'est quoi ce forward sur GP contre Gwen? 54%. Il est... Enfin... C'était un match-up où il l'avait littéralement démoli, déjà de base. Ouais, des fois, il va trop loin. Mais du coup, ça l'expose également. Et oui. On a vu beaucoup de moments où il était simplement devant la tour adverse. Quelques morts isolées, absolument. Et donc, si tu veux lui attribuer un petit traitement de rookie des compétitions internationales, ça peut passer par 7 ganks en 10 minutes. C'est pas forcément quelqu'un qui va bien les encaisser. Surtout qu'Yanko, c'est pas mauvais pour camper une lane. Hein. Il a beaucoup d'expérience à ce niveau. Sur les champions, tout de même, qui pourraient être des solutions du côté de Broken Blade, il a un gros champion de pool, traitons, oui. On le sait. Son Vlad en carrière, il a quand même un bon bilan dessus, même s'il nous a pas convaincu dans ce MSL lorsqu'il l'a piloté. Son Gnar, il a eu un excellent Gnar, notamment en playoff du LEC. Attention à son Jax également, ça reste des solutions ça reste pour Broken Blade. Totalement, ça reste des solutions et Broken Blade reste l'un des joueurs avec l'un des plus gros champion pool sur la top lane. Donc à voir s'il va sortir une dinguerie. Le problème, c'est que ces champions-là en particulier, c'est des champions que Zeus va connaître, c'est des counterpicks qu'il va attendre. Et on l'a dit, quand Zeus a bossé ses match-ups, il a tendance à avoir l'avantage. Et donc pour Broken Blade, ça peut être un petit peu compliqué malgré des counterpicks. Flaquette contre Goumayoussi maintenant, messieurs, l'affrontement au niveau de la bot lane. Penchons-nous sur la confrontation. Bon, la phase de lane, Twix, on l'a dit de toute façon, ça a été notre introduction de ce pré-show, c'est un peu le talon d'Achille du côté des G2 et oui. Ça se confirme également bot. Absolument, forward, tout, le farm, le KDA, il y a absolument tout. Même si Goumayoussi ne fait pas un grand tournoi, il a fait un second round de knockout, de Rumble Stage, pardon, qui était quand même beaucoup plus convaincant. Donc on peut estimer qu'il est sur la pente ascendante. Là où, du côté de Flaked et Targamas, eh bien, ils sont déjà au-dessus des attentes qu'on avait d'eux au niveau de ce MSI. Maintenant, reste à savoir à quelle vitesse ils vont entamer SBO. Traiton, tu en parlais tout à l'heure. Les G2 qui vont devoir essayer de limiter la casse. On ne leur demande pas forcément de gagner la lane, mais on leur demande de limiter la casse. Et on le voit, quand ça limite la casse en face de lane, ça a tendance plutôt à gagner, bien sûr. Oui, ça peut gagner derrière, et surtout que Flaked est un ADC qui, en termes de scaling, utilise très bien les ressources qu'il a, même s'il en a peu. En vérité, il fait quand même pas mal de dégâts par rapport aux ressources qu'il a, et il est capable d'être vraiment clutch dans les teamfights. Honnêtement, il a très très bien teamfight, et c'est là le jeu du côté de G2, c'est atteindre les teamfights, donner cette forme à Flaked, lui donner au moins pas trop de retard. S'il a 500 gold de retard, honnêtement, ça va dans la game globalement. Tant qu'il a pas un item entier de retard, je pense qu'il peut plus ou moins match un Goumayoussi qui, pour le moment, en teamfight, hormis sur certains champions, a pas montré un niveau de jeu si impressionnant que ça. Ouais, Gouma qui monte en puissance dans le tournoi, mais on en attendait plus de base hein, du côté de l'ADC coréen. Les statistiques au niveau de la bot lane, les 2v2 kills quand même largement en faveur des T1, mais attention, oui. Attention, parfois, bien sûr, Flaked et Targamas peuvent surprendre. Par contre, les 3v3 kills, Yanko se passe jamais au niveau de sa bot lane. Non, complètement pas, mais après, ces 3v3 kills, ils peuvent pas forcément être ailleurs, par exemple autour du Herald, etc. Oui. Mais tout cela veut nous dire simplement qu'il va y avoir une véritable guerre entre Targamas et Kaya, qui sont tous les deux des aficionados du counter-pick support, et forcément, il ne peut en y en avoir qu'un. Et au niveau justement des roamings de support, Targa qui était à la pointe en LEC sur ce qu'il s'agit du roaming et de l'impact sur la map, mais on le voit, c'est plus difficile dans ce MSI, traitons a priori, parce qu'on n'a pas la priorité au bot, on est sous pression, tandis que du côté de carrière, on a de l'impact absolument partout, et notamment top. C'est entre guillemets très facile de roam quand tu as le push en permanence, quand tu peux jouer sur la tour adverse, quand tu as toute la vision. C'est pas forcément le cas de Targamas actuellement, qui doit plutôt roam en réaction qu'en action véritable. Et ça va être le problème contre Kyria si on n'a pas le push. Et si c'est Kyria qui a le foc sur la carte, c'est lui qui dicte le rythme de la partie. Pour G2, ça va être très compliqué, et ça va directement impacter le match-up mid lane de Caps, qui ne pourra pas faire ce qu'il veut. La mid lane, Caps, la clé, la solution du côté des G2, bien sûr. S'il y a une victoire des Européens aujourd'hui, ça passe par le mid laner des G2 eSports. Les statistiques sur ce tournoi, enfin sur ce Rumble Stage, pardon, pour l'instant, Twix. On va voir Caps, malheureusement. La Goldie à 15 n'est pas dingue, mais il y a une sale série de défaites du côté des G2 qui a un peu amputé ses très bonnes stats de départ. Même complètement, et puis aussi il y a des compositions qui ne le mettent pas forcément dans une position où, par exemple, je prends par exemple la composition Yasuo, obligé de go in, obligé de mettre de côté un petit peu le côté clean de toutes les statistiques, de tous les indicateurs. Mais Caps a montré l'ampleur de sa champion pool. Il a montré aussi
beaucoup de qualité, de propreté dans ses mécaniques. Et je pense qu'on peut partir du principe que le Faker contre Caps devra avoir une même ambiance que ce qu'on a connu en 2019. Et ce sera sur la forme du jour que la différence se fera. Ça va être beau, ça va être beau ce duel. Caps, justement, la clé, je le disais, Tréton. Alors, à la différence de Flaked, on voit qu'il faut limiter la casse lorsqu'on gagne un match du côté de Flaked. Pour Caps, ça se voit notamment dans la forward différence. Il faut jouer en avant, il faut avoir de la priorité, il faut être dominant dès la lane pour que G2 l'emporte. Il faut limite solo kill, il faut aussi avoir un wave management parfait pour que Yonko ait des opportunités de gank sur la mid lane et de punition sur un Faker. Le problème, c'est que Faker, il est relativement habitué à se faire camper. Il est habitué à avoir beaucoup d'attention sur lui. D'avoir des viewers, faire des PHW à absolument chaque game. Et du coup, je pense que c'est l'un des joueurs qui est le plus à même de tenir ce genre de camping. On est d'accord. À ce niveau, il a tendance à être à l'aise en général, Faker. Malgré tout, on constate, Twix, que il n'y a pas eu dans ce Rumble Sage, hein, on ne parle pas bien sûr de la phase précédente où il y en a eu beaucoup, mais dans ce Rumble Sage, pas de 2v2 kill autour de la mid lane pour les T1, alors que pour les G2, dans leur bon match, c'est quand même l'endroit où ça se débloque, notamment à ce niveau. Complètement, on n'a jamais véritablement drafté pour, mais c'est tout à fait dans les cordes des T1, et j'espère que les G2 l'ont bien maintenu en tête. Hein. C'est pas pour rien qu'on a un jungle côté T1 qui est capable de jouer des picks comme Vi, qui peuvent être extrêmement, extrêmement disruptifs, notamment dans un mid-jungle 2v2. Et donc, ce sont des options que les T1 ont, qu'ils ne jouent pas forcément parce que la mid lane a une priorité dans la draft qui est beaucoup trop haute et on est obligé de blind et de partir directement sur la composition. Mais c'est une option qui peut apparaître totalement dans un best of 5. Donc prudence. Prudence. Et on vous le disait, les RNG le disaient, la solution pour les G2 se trouve sans doute dans des picks qui peuvent être surprenants. Les picks, qu'est-ce que ça a au niveau des compositions type des deux équipes, les champions qui ont été le plus pratiqués en réalité, Tréton? Eh bien, on tombe sur ces champions-là, même si du côté de T1, on a pu voir une évolution quand même. Je ne suis pas sûr qu'on aura des Kalista, pas sûr non plus pour toute cette fête, mais en tout cas, ça a été les champions les plus joués par les deux équipes. Moi, je pense que ça a pas mal évolué pour les carrés de T1. Maintenant, du côté de G2, c'est la composition parfaite, à part peut-être là Leblanc, qui pour moi n'est pas encore totalement convaincu du côté de Caps, parce que quand tu es... il n'est pas non plus tout seul à jouer, mais quand tu es le plus important de ton équipe, jouer Leblanc, tu es attendu en permanence, tu n'as pas une véritable engage sur laquelle rely. C'est compliqué, je pense, de hard carry avec Leblanc. Je le verrais plutôt sur de la Harry, par exemple, que je trouve bien meilleur. Après, pour le reste, si on a le combo Kai'Sa et Wukong, on est très content côté G2. Bien sûr, il y a des OP qui sont absolument obvious. On verra comment ils évoluent dans cette game. Mais en ce qui concerne Leblanc, ça va automatiquement redescendre. Ce n'est pas forcément un blind pick qui est idéal. Le même constat pour Twisted Fate, où il faut, par exemple, valider des bans Yasuo, des choses comme ça. Messieurs, on parle de champion. Tréton, il me semble que tu t'es particulièrement affûté pour aujourd'hui. Tu as fait des équations de champion. Et c'est parti, Tréton. Dis-nous un peu ce que tu as. Marche pas sur le message. Je marche sur les drafts de T1 et de G2. Effectivement, on ne marche pas sur ce superbe sigle. Vous m'avez fait une passe parfaite. Parce qu'on va parler un petit peu de trois drafts. On va parler notamment de la première draft entre T1 et G2. Et ça tombe bien, sur la première draft, on a un TF qui est pick du côté de Faker ici, qui est récupéré directement dans sa draft. Et globalement, c'est super intéressant, parce que Twix nous parlait du counter pick potentiellement de Diana et de Yasuo qui a été fait du côté des G2. On a réussi à tendre un piège. Et donc déjà, du côté du TF de Faker, on n'est pas forcément à l'aise. On a un Faker qui, pour jouer la game, va peut-être avoir un petit peu de difficulté. Dans ce MSI, on parle aussi beaucoup d'engage. Arrêtez-moi si je me trompe. Je regarde la composition de G2. Diana, ça a de l'engage. Ornn, ça a de l'engage. Rakan, ça a de l'engage. On pourrait dire même Kalista, que Kalista a de l'engage avec l'ultimate. Un bump, deux bumps, trois, quatre, cinq bumps. Il y a un Yasuo. La draft en termes d'engage du côté de G2, elle est parfaite. On sent qu'on est plus ou moins bien sur la méta. En plus, on a un broken bane sur un tank et on aime bien l'avoir sur un tank. Et du coup, ça force le pauvre petit Goumaï aussi sur un pick de Tristana sur lequel il n'est pas forcément confiant. En plus du fait qu'il va jouer contre un Yasuo qui va win-wall, donc on a un Goumaï aussi qui n'est pas forcément à l'aise pour jouer la game, on a un TF aussi qui s'est fait counter-pick, et donc on a une première draft où G2 était un petit peu en avance en termes de méta par rapport au T1. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. En draft 2, T1 s'est un peu plus adapté. Déjà, ils n'ont pas ban Leblanc et Harry, ils ont laissé open. En l'occurrence, il y avait un Graves qui était assez OP, qui a été récupéré du côté d'Yankos, donc on se met bien avec le Graves. Certes, maintenant, ça veut dire qu'on laisse la Harry à Faker, il a un pic sur lequel il peut beaucoup bouger, tu n'as pas de véritable counter quand bien il y a une Leblanc en face du côté de Caps, Harry va forcément être bien. On a un carry en plus qui a un très bon pic avec Nautilus, on le sait, c'est quasiment le meilleur sur ce champion. Et tout à l'heure on parlait un petit peu d'engage, arrêtez-moi si je me trompe. Je t'arrête.
Stop. Pas d'engage. Pas d'engage. Grèves, pas d'engage. Le Grèves, pas d'engage. Pas d'engage. GP, pas d'engage. L'ultimate GP. C'est pas une engage. Non, ce n'est pas une engage. Soyons sérieux. Jean, ultimate, tu vas me dire, pas vraiment une engage. Allez. Le Z, traitons. Le Z, les trappes. C'est un follow-up. Au mieux, t'as juste l'engage de Targamas. Le problème, c'est que l'engage de Targamas contre ces deux champions, contre le Everfrost d'Harry, contre le Nautilus, c'est très difficile de pas se faire one shot. Et donc, c'est quasiment impossible pour Targamas en réalité d'engage proprement. Et en plus de ça, il y a quelque chose d'important, c'est que T1 force des bans en seconde rotation, des bans de Vaille. Et du coup, on a la Vaille ici qui est retirée du côté des G2 obligatoirement. Ce qui est quand même un énorme atout en termes de draft de forcer ce ban là, c'est grâce à Honor. Et du coup, ça laisse open un Aphelios à Goumayoussi. Là aussi, j'ai deux fanboy T1. Aphelios sur Goumayoussi, il a beaucoup joué, il est très très bon dessus. Et donc on a Goumayoussi qui est en confiance, un Faker aussi qui peut jouer. Et on a encore une très bonne draft ce coup-ci du côté des T1. Et les T1, ils sont à l'encore. Il y a Caitlyn aussi. Il y a Caitlyn qui est ban, mais bon, c'est Gouma, tu connais. C'est classique. C'est classique. Et les RNG, après, il y a RNG contre T1, où là vraiment on a les meilleurs drafts du côté de T1 de mon point de vue. Harry COP, Gwen COP, Xayah COP, Lee Sin COP, Nautilus COP. C'est que des super bons picks. Et ils peuvent avoir ce genre de draft justement parce qu'ils forcent des bans qui sont un petit peu spécifique. Encore une fois, même RNG est forcé de ban le pic de Vaille. On arrive à récupérer la Harry du côté de Faker très très rapidement. Ce pic de Xayah, il est ouvert pour la simple et bonne raison que du côté d'RNG, on drafte pas très bien parce que Xayah contre TF, contre Viego, c'est forcément super facile de jouer le champion. Donc on arrive à mettre Goumayoussi en confiance. On le met sur des pics sur lesquels il est très très fort. C'est comme ça que T1 a réussi à revenir. Et on met en plus Faker sur des risques de champions qui peuvent bouger avec toujours ce Keria sur Nautilus. C'est un petit peu l'arc des drafts du côté des T1. C'est eux qui avaient peut-être la meilleure méta sur la fin du Rumble Stage, alors que c'était G2 qui l'avait sur le début. Et on va voir maintenant en knockout, on va voir maintenant en demi-finale si G2 va pouvoir s'adapter, va pouvoir anticiper ce draft de T1 et va pouvoir avoir des réponses. Parce qu'il va falloir en trouver, parce que T1 dans cette forme-là, c'est un T1 qui semble quasiment invincible en MSI. Mais écoute, on va voir. On va voir, traitons. Noah a adoré la démonstration. Quand même, ce qui était surprenant dans la deuxième draft de T1 contre G2, et c'est un truc qu'on a quasiment pas vu dans le tournoi, c'est le last pick ADC. Le last pick ADC, absolument. Alors, ouais. Est-ce que c'était contextuel ou non ? C'est une très bonne question parce que c'est vraiment pas une position dans laquelle on voit souvent ce poste-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de champions quand même qui sont jouables botlane dans ce MSI. Donc, pourquoi pas ? Mais c'est vraiment un cas exceptionnel et ça dépend vraiment des bans, notamment en phase 2, qui sont opérés par chacune des deux équipes. Mais si on a eu les joueurs qui se sont exprimés, quand même, j'aime bien toujours faire un petit tour d'horizon des tweets. Il n'y en a pas eu énormément, on est concentré sur le match aujourd'hui du côté des G2. Malgré tout, Yankos qui regarde les matchs et qui hier a trouvé que le script de 2019 n'était pas respecté. Effectivement, hein, les RNG qui ont savaté les EG. Bon, on n'aura pas d'Europe contre Amérique du Nord en grande finale, traitons. Malheureusement, et en parlant de savater, je vous conseille d'aller regarder un petit peu les tuteurs de G2, de Ocelot et tout, parce qu'ils ont bien savaté les EG. Ils se sont bien moqués des pauvres NEC qui se sont fait 3-0 par la RNG, même si on est tous d'accord que c'était, entre guillemets, avec un 3-0 avec un peu d'honneur. Et pour Yankos, bah écoute, faire des tweets comme ça, en général, c'est bon signe avant des jours de match importants. Honneur, moi, je l'ai. Je l'ai aussi, très technique, mais je l'ai. Ouais. Pas fait exprès. Ouais, ouais. Bah non, mais c'est il est déjà en ta tête. Il est peut-être déjà dans la tête de... Il vit dans ta tête sans payer de loyer. Personnellement, je pense que c'est plutôt G2 qui est déjà dans la tête de T1 de ce que j'ai vu de ce tournoi. On va voir. Traitons, ça va être une des grandes questions du jour, bien sûr. Targa s'est exprimé également sur Twitter. Alors, il s'est exprimé, c'était après, bien sûr, la fin du Rumble Sage. Et lui disait, bon, au moins, on finit sur une victoire. Donc, ça reste une fin un peu plus honorable. Mais voilà, on va pouvoir se reconcentrer et se remettre dedans. Parce que oui, c'est sûr, la série de défaites a fait mal à la confiance, sans doute, du côté des G2 Twix. Absolument. Et Targamas s'est exprimé à ce sujet-là lors de diverses interviews. Et ce qu'il nous disait, c'est à peu près le résumé de ce qu'on a fait ici. La méta, l'évolution de la méta, très bonne entrée dans la lecture, dans l'appropriation de la méta-game. Mais ensuite, les autres équipes, c'est un petit peu le phénomène dont on parle assez souvent au sein d'un tournoi. Les équipes rattrapent, elles se rattrapent les unes les autres, elles se scriment et les informations ne restent pas exclusives très longtemps. Et les G2 se sont fait rattraper, se sont fait dépasser et maintenant ils doivent revenir devant. Et c'est aujourd'hui justement qu'ils sont là pour le prouver. C'est aujourd'hui la grande épreuve, bien sûr, devant le public de Busan. Les T1 qui sont à crier aujourd'hui. Ils vont crier. Comparé à hier. Oui. Allez, T1 à domicile, hein. Ça aussi c'est un petit défi, bien sûr. L'équipe n'avait jamais joué à domicile avant ce MSI. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans leur public, il ne faut pas décevoir. Mais en face, il est à leur némésis de 2019, les G2 Esports. Mesdames et messieurs, introduction, il est temps de passer à ce best of 5 de légende entre G2 et T1. C'est parti. Matter of fact, we creepin' now, we sneakin' enemy highs, we
be seeking, lurking through waters and bushes. Oh man, cold dogs knee deep and all of you die one at a time. Those are the facts, we don't throw dice. Ready to fire, ready or not, we let it decline. There's nothing you can do. RNG are your nightmare. Welcome to Busan! Welcome to FSI! 어디에서 함께 오신 여러분, 진심으로 반갑습니다. 바로 대구에서 펼쳐졌던 너거 스테이지 1차 대결! RNG가 이지에게 3대0 승리를 거두면서 내일 있을 파이널에 진출했습니다. 그리고 바로 잠시 후 내일 RNG와 멋지게 파이널에서 경기를 펼칠 두 팀을 가려보도록 하겠는데요. 어떤 팀이 승리를 거두면서 내일 파이널 영광의 무대에 오를지. 자, 그러면 경기에 나설 자랑스러운 팀들을 여러분께 소개해드립니다. 먼저 LEC의 맹수, LEC의 맹주, 유럽의 왕, MSI 트로피를 다시 한번 차지하기 위해서 이곳에 왔다. Let's go G2, Let's go G2, Let's go G2. 타 캐리형 타 솔로 킹 양코스. 미드 서양 최고의 슈퍼스타 캡스. 바텀 고통은 나를 더 단단하게 강하게 한다. 프레켓! 서퍼! 로밍의 대가 다르가마! 여러분 한 번 더 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. We are G2! 이제 두 번째 팀 소개해드립니다. 사실 우리에게 이 팀에 대한 소개는 필요 없습니다. LOL 역사상 최고의 팀, 이것으로 충분합니다. SK 전승우승, MSI까지 제패하기 위해서 왔습니다. 여러분 만약에 홈 어드밴티지가 있다면 이럴 때 써야 하는 것이 아닐까 싶습니다. 여러분 함께 외쳐주시기 바랍니다. HK 대표 T1! 자, 신은 죽지 않는다. 제우스! 정글의 정석을 보여주마! 우노! 미드! 언킬러블 데몬킹 앤 그레이티스트 오브 올 타임 사이코.
바텀 무서운 신이에서 이제는 무서운 킬러 쿠마요시. 끝으로 역대급 천재 괴물 역전괴 캐리어 부산 한 번만 더 부탁드립니다. HK 대표 G1 절대 물러설 수 없는 숙명의 라이벌 G2와 T1, T1과 G2가 벌이는 대결 바로 달려봅니다. Let the knockout stage begin. 지금 함께 해주시는 많은 여러분의 뜨거운 환호 함성과 함께 2022 MSI 노가우 시즌 2일차를 시작하겠습니다. Ever since season 3 and I saw Vega win his first trophy, I kind of decided that I wanted to be in his shoes. Where were you when the West rose up? 2019년도 MSI에서는 저희가 무조건 우승할 거라고 생각을 했었는데, often when you see these two go up against each other, G2 are very rarely the favorite. 생각지도 못하게 패배를 했어가지고 take the trophy away from him meant the world to me. 2019년 때는 G2에게 MSI 월즈 둘 다 졌지만 그동안 저도 개인적으로 배운 것도 많고 잠깐 주춤했지만 팀원은 무너지지 않는다는 걸 보여드리고 싶어요. G2 집에 보내드리겠습니다. Going into a best of five, this team has shown time and time again that it can bounce back. Once they build five sets, that's when we'll strike. T1's greatest weakness is that they are easy to read. If their hand slips even one time, we might just get the momentum. G2의 약점은 라인전이 다 약한 것 같아요. Sarkamus immediately going to throw out the exhaust and gets exhausted as well. The flashes coming forward, first blood within the first 2 minutes. Absolutely ruthless. It's easy to forget T1 haven't been able to bring home a trophy in front of the South Korean crowd. MSI를 우승하고 싶은 이유는 저희를 계속 믿어주시는 팬분들 때문에 더 하고 싶어지는 것 같아요. I know we might be the underdogs going into this matchup, but T1, I dare you to underestimate us. We've seen what happens when you do that. G2, 제가 지나간 자리 뒤로 많은 꿈들이 깨졌습니다. T1이 세계에서 가장 강력한 팀이라는 걸 증명하겠습니다. We're here for one mission. To reclaim the glory for Europe. Et c'est l'heure de la deuxième demi-finale. G2 contre T1, Caps contre Faker, le briseur de rêves. Ouais, effectivement, Faker qui annonce la couleur directement. Les T1 veulent renvoyer les G2 à la maison comme des vulgaires nord-américains.
Les Américains sont partis hier, peut-être aujourd'hui la révolte de l'Occident. En tout cas, on attend énormément de ces G2 qui sont en baisse de forme sur la fin du group stage, il faut le dire, mais ils ont les armes, Noah. Ils ont les armes et on en a parlé en pré-show, le visage de G2 dans les best of 5. C'est une équipe de best of 5, c'est une équipe avec un bon pool de champions, avec des stratégies qui évoluent, avec des drafts qui évoluent. Et justement, on attend de voir comment ces deux équipes vont mettre ça sur le terrain, sachant que les deux derniers BO5 entre les deux structures se sont soldés par une victoire de G2. Absolument. Et les G2 ont un peu le momentum de ce côté-là, même si leur dernière confrontation, on le rappelle, c'était une victoire de T1. Et Yasuo, qui est un ban directement contre les G2, on rappelle que les G2 avaient répondu au Twisted Fate par un Yasuo, donc le Horn aussi qui avait été récupéré par Broken Veil, Wukong et Lucian qui sont les deux bans presque obligatoires en red side. Alors Harry va rester open, est-ce que on trade Harry et Leblanc ou même on va répondre à Harry par autre chose? C'est un petit peu la question. Non, on ban Harry, donc Leblanc est open. Les T1 pourraient faire Speak Swall, Parm Leblanc ou Twisted Fate, ou alors partir sur la Gwen. La Gwen. Bah, avec le ban Yasuo, on aurait pu effectivement penser au TF qui avait été sorti contre justement les G2. Ils avaient répliqué avec le Diana Yasuo et une grosse composition Yasuo. On l'a vu dans l'exemple de draft montré par Treyton. Mais du coup, la Gwen avec on sait Zeus qui a gagné des deux côtés de ce match-up. Gangplank Gwen, Gwen Gangplank. Je sais pas si on va partir du coup sur un GP du côté de Brooklyn. Et on part sur le Galio. Super intéressant ça, de voir Caps s'adapter à ce qu'ont montré les RNG. Alors Zayad pourrait suivre en jungle, sinon on a tous les champions classiques open quasiment. On voit en tout cas que les T1, ils ont vraiment retiré les champions press air au G2, et on va effectivement partir sur le GP. On a vu que c'était un match-up assez très très skill. GP a gagné plus de games que Gwen dans leur 1v1 respectif, mais on voit que récemment c'est un peu plus dur. Mais du coup la Xayah qui est prise par les T1, ça peut faire un peu mal quand même. Ouais, la Xayah et à voir, j'attends de voir s'il n'y a pas une possible Zoé de Faker contre Cap sur cette mid lane. Je sais qu'on aime bien la réponse en Corée, Zoé Galio, le match-up. Faker a déjà joué sa Zoé et il a déjà joué en plus contre un Galio. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on aime bien chez les T1. Alors, je suis presque un peu déçu de voir qu'on a pas pick la Xayah en 2 pour les G2, parce que du coup on se retrouve à donner la Xayah, mais est-ce que leur counter vaut le coup, parce qu'ils auraient pu pick GP en 3 a priori, à moins qu'ils voulaient absolument être... Ouais, non, je vois pas. Et du coup le Jarvan, ça c'est intéressant. Ok, c'est pour ça qu'ils ont laissé la Xayah. Jarvan Galio, ouais. Jarvan Galio contre un champion qui a pas de dash, pourquoi pas. Après ça reste toujours risqué, parce que la Xayah, si elle garde son ult pour l'ulti de Galio, ça peut mal tourner. S'il y a une petite Kai'Sa qu'ils arrivent à placer à un moment ou l'autre, alors la phase de lane va être très très dure s'ils font ça, mais après ça commence à faire beaucoup de menaces pour aller chercher cette Xayah. Elle va être ban la Kai'Sa, ouais, je pense aussi. Elle va être ban. La question c'est là, que je me pose, c'est quid du Rakan ici, parce que à la fois il est excellent dans la compo G2, il est très bien dans la compo T1 aussi, parce que bon, Rakan est un champion OP de manière générale, mais en plus très fort avec Xayah. Je pense que les G2, s'ils veulent le Rakan, faut quasiment le pick maintenant. Et donc ils le ban. Ils préfèrent counter pick support. J'attends de voir l'angle. Alors je pense pas, mais l'angle Kalista Galio avec un petit cheese de ce type là, avec un pick sur la mid lane dans les mains de Caps. Alors après c'est Kalista. En fait, Kalista, le problème c'est que c'est un peu un champion win lane, lose game. Et le problème c'est qu'en plus, flaguer des Targamas pour l'instant sont pas connus pour leur phase de lane. Donc partir vraiment sur une Kalista, c'est un peu à contre-pied de leur force. Je me dirais, c'est la première game du BO, si à un moment faut le tenter, c'est peut-être là avec un petit cheese vers la mid lane. J'y crois moyennement. Pourquoi pas une MF? En vrai, c'est assez safe, facile à jouer, ça marche bien avec le bon combo. Aphelios, ça peut se faire aussi, effectivement, un peu plus technique. Les T1, du coup, qui vont devoir blind pick le support et ban leur, et pick peut-être la Zoé, la fameuse Zoé contre le Galio. Et la Renata. Parce que moi, ouais, Renata, effectivement, qui est intéressant pour. Dans le Jarvan aussi, hein. Pour T1. Qui est très bien contre Jarvan, qui est très bien pour éviter les ganks. Zoé, c'est pas terrible quand même en fait. Hein. Zoé contre Jarvan Galio quand même. Peut-être bien en phase de lane. Bah, surtout que là, on va jouer en réception du côté de T1, en counter engage, en disengage. Oh, Nico, c'est peut-être pas mal. Nico, c'est peut-être pas mal pour les T1. On l'a pas vu encore cette compétition. Alors, Vayne, c'est marrant parce que ça a été pique contre Galio, mais en vrai, c'est pas bien contre les autres champions qui sont là.
pense pas que ce soit un bon plan. Ouh. Ok, Tristan Amid pour Faker, excellent dans le 1v1 contre Galio. Il y a un dash. Après, c'est pas toujours évident à jouer en mid game. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer en support du côté? Un Galio, un Nautilus, je pense. Pour moi, Nautilus c'est le meilleur pick ici. Ah oui, il peut jouer Galio. Ouais, il peut jouer Galio support et aller choisir un autre matchup au mid. Hein. Qu'est-ce qu'il jouerait contre Karma? Karma. Bah, du coup, le Galio reste mid. Hein. Je pense. Oh, ouais. Le pie de Targamas. Contre Renata, c'est très fort. C'est très fort. Renata est très embêté par tout ce qu'il a outrange et par les grabbeurs. Mm-hmm. Parce que t'as absolument pas de mobilité. Donc ça te fait toi tout de même une grosse cible et en lane et avant les teamfights. Donc j'aime bien le pick et en plus un pick qui roam beaucoup. Ouais, moi j'aime bien avec Galio aussi, Pyke. Si le Pyke est draft en étant fort en lane, ce qui n'est pas toujours le cas avec Pyke, j'aime bien avec Galio parce que ça, je trouve que ça synergise pas mal le go-in du Pyke qui peut set-up le Galio. Il y a le côté vraiment la grosse engagement. Si t'es pris dans le. En gros, là, si t'as pas de flash et si t'es pris dans le. Ou sans dash, dans l'arène du Jarvan, c'est arène, ultimate de GP, ultimate de Galio, ultimate de Pyke, tu te fais exploser. Donc là, les timings de flash vont être très importants. Attention, la compo G2, elle a besoin qu'il y ait de l'action dans cette game. Elle a besoin que les flashs soient en cooldown. Elle a besoin que les joueurs T1 se sentent menacés pour créer du chaos et ensuite tout le temps engage. Ouais, et je dirais aussi que tout de même, on est très très AD. Le seul porteur de dégâts magiques, ça reste le Galio. C'est quand même assez fragile. Ouais. Donc attention, on est vulnérable notamment au coq en acier, ce genre de choses. Donc il va falloir bouger, il va falloir être bon en lane. Maintenant. J'aime beaucoup la force de leur lane et la façon dont ça bouge sur la carte. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à construire dessus. Complètement. Le seul problème là-dedans, c'est que leur meilleur laner est sur Galio et leur moins bon laner sont des champions très très orientés lane. Donc ils sont un peu à contre-pied de leur force, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. Après, Galio, Cap, c'est aussi un joueur très créatif et Galio est fait pour ce genre de joueur. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont trouvé peut-être au travers de Galio un autre outil pour jouer full teamfight comme ils l'ont fait avec le Horn. Oui, et si jamais, parce qu'on a bien vu que Caps, quand il allait partir sur de la Lissandra, sur la Leblanc, il pouvait être attendu à la fin avec Lissandra, ce genre de pick, et il n'arrivait pas à jouer, il était très campé. Avec un Galio, il arrivera à bouger sur ce side lane. Absolument, en tout cas, on est parti dans cette première game de la demi-finale entre les G2 et les T1. Attention, level 1, les G2 qui tentent peut-être un cheese là-dessus, c'est jamais facile d'aller piéger ce bush, et Goumaï aussi, complètement... Inconscient de ce qui est en train de se passer. Attention, c'est pas mal joué. Gumi aussi, il l'a vu. Il l'a vu. On va avoir l'information. Je pense pas qu'il y aura un grave à attendre de la part de Targamas. Et en vrai, Caps, s'il avait été aussi confiant que Xiao la veille, qu'il avait craqué son prédateur là-dedans, c'était flash. Justement. Ouais, ou flash, c'est vrai. Et pas de flash sur une Xayah. Dans un Pyke. Eh bien, ça aurait pu faire la diff. Et on va partir au red buff, ou alors c'est juste invade, on met les one, on repart. Non, vu le timing, on va partir au red buff adverse. Est-ce qu'on pourrait vertical jungle? Est-ce que ça a encore un sens et un intérêt? En vrai, alors, tu peux, surtout que le GP, il y a peu de chances qu'il se fasse dive et que la botlane T1 va beaucoup souffrir d'un vertical jungle. Donc, je pense que là, c'est pas bête. Attention, la Caps, il va se faire zoner. Bah oui, c'est le problème. C'est que Faker, là, avec sa Tristana, il va pas laisser ce Galio respirer. Est-ce qu'on perd des creeps? Est-ce qu'il perd de l'XP? Il a l'XP, il perd de creep, mais c'est pas très grave. Ouais. De toute façon, il va prendre la pression, hein, Caps. Il a pas beaucoup d'âme contre une Tristana, sauf setup de gank où il arrive à caler un taunt. Et en plus, Tristana peut buffer le taunt sur son rocket jump. C'est ça, c'est loupé de la part de Targamas. Alors, je suis curieux de voir comment les T1 vont jouer le coup. On voit, ils ont mis directement une ward dans le tribouche pour éviter de se faire gank dans le dos. Et Yankos qui a pris un camp et demi. Il y a donc un vertical jungle, hein. C'est bien ça, le grab, oulala, c'était dangereux, ça c'est oh, dangereux, dommage, c'est dommage, un Targamas. Flash tout de même, c'est un flash qui est lâché ouais, par contre Mayus. Ça peut prendre un kill ça, non c'est bon, Targamas s'en sort, flash pour flash, c'est rentable, surtout que le Pyke en plus a un peu de régen. Oui, complètement, et il n'est pas très flash dépendant. Après, il pourra pas faire de trick avec effectivement le stun flashé. Accessoirement, on a Goumayusi qui est parti sur une lame de Doran. Donc il n'y a pas les trois potions habituelles qu'on voit de plus en plus chez les AD Carry. Et du coup, eh bien, Poke, enfin, mettre un gros trade comme ça sur un AD Carry, c'est beaucoup plus rentable que d'habitude.
parce qu'il peut pas forcément se cracher. Attention, là, Yankos, on le connaît. Est-ce qu'il a timé cette ward? Et j'ai l'impression qu'il est passé dans le brouillard de guerre. Il a absolument pas été vu. Il connaît. Ah, et il arrive un petit peu tard. Il l'a pas bien timé. Et il va la voir, là, cette ward partir a priori. Même pas. Mais du coup, il va faire les Krugs. Ils doivent avoir l'information que le Viego, n'est parti effectivement sur le vertical jungling. Il y a un peu la bug. Alors, est-ce qu'on peut se faire dive du côté de Broken Blade? Là, il y a un joli deny de baril. Donc là, Broken Blade, effectivement, il n'a pas réussi à clear la wave. Il a encore son flash, il a encore son orange. Il y a une téléportation C-Caps qui va venir un peu à la rescousse. Et un First Blood récupéré par Honor. Ouais, est-ce que Caps peut prendre quelque chose là-dessus? C'est pas gagné. Il va mourir, Caps, s'il fait ça. Il va probablement mourir. Oh, le flash out. Il n'y a pas de flash pour Zeus. C'est bien joué de la part de Caps. Encore une fois, cette Gwen n'a pas de flash. Et pendant ce temps-là, sur la bot, une flaquette qui a pris le kill sur Goumayus. Faker est venu, Faker a pris ses deux kills, c'est une catastrophe pour la mid lane. Prend deux kills, après Caps récupère un double buff, mais là il doit faire son back TP, là où Faker n'aura perdu aucun point de vie, il a encore son flash, il va pouvoir revenir repush. Et par contre, regarde, sur la botlane, là où il y a une très bonne affaire, c'est regarde le nombre de creeps de Goumayus aussi, 14 creeps à 23, avec la wave qui a priori va dans le sens des G2, donc on va perdre encore plus de farm pour Goumayus aussi. Et bien c'est à Flakhead, là, de mettre du rythme dans cette partie, parce que c'est lui qui a les clés, qui a le match-up botlane, qui va avoir beaucoup plus de gold. Caps, lui, va être d'autant plus puni sous sa tour par une Tristana après son back. Ouais. Et là, on voit, c'était l'inverse hein, du côté de Broken Blade. Qui lui effectivement n'a pas pu contrôler la vague, il a dû revenir avec le rebond. Alors on n'a pas vu ce qui s'était passé. Yankos, là, il y a un très bon rappel de plume. Targamas qui prend son couteau, il peut pas tanker plus. Et ça se joue à rien. Ça se joue au très bon décage de Faker. Sinon le gank et le dive est réussi. Ouais, il était réussi, mais à quel prix quand même? Il a coûté effectivement. Faker a eu qu'à se baisser après pour récupérer les kills. En plus, il a eu l'autre avec l'Ignite alors qu'il était plus là, c'était parfait pour Faker. Et du coup, quasiment 1k5 gold hein, d'avance, 1k pour l'instant pour les T1, c'est beaucoup. Et par contre, les G2 qui ont déjà un roam, mais Cass il va être bloqué. Cass il va pas pouvoir revenir là-dessus. Aïe aïe aïe. Il y a Yankos qui est pas très loin, mais on voit Faker qui est directement en train de bouger. Il a déjà son carquois. On a un grab de Kyria qui est passé. Il n'a plus rien. Il a pas de flash, il a pas de TP, il a pas de Predator, il a rien du tout. Et il y a un double buff à récupérer. Ne donne pas l'assist à Faker. Suscite-toi quelque part à l'ombre, loin des regards. Ah, il a ses bots, il a ses bots. Est-ce que ça. Oh, dommage. C'est pour Viego. On était à quelques secondes, je pense, de l'execute. Et du coup, Viego, Honor, qui est très bien dans sa game. Deux kills pour lui déjà. Et le Drake a été annulé par Yankos. Là, c'était pas très bien inspiré, hein, ce roaming. On a vraiment surestimé la capacité des G2 à collapse. Et c'est les T1 qui étaient là les premiers. Attention, parce qu'Honor est juste derrière. Humanity qui se fait respecter. Mais on veut mettre du rythme chez les G2, on comprend. Mais effectivement, il faut que ce soit raisonné. Tu l'as dit, il y avait pas sur les prios au niveau de l'invade de Yankos. Enfin, au niveau de l'invade de casse, pardon. Ouais, et puis Flakhead, il a pris cher, il a plus de potion. Donc pour mettre de la pression bot side, c'est pas gagné là. Et il faut que Targamas arrive à trouver un grab magique, mais c'est compliqué. On est bien caché derrière la vague de sbire. Il y a Yankos qui est dans le coin. Est-ce que Yankos peut passer vers le bot side? Il n'y a pas trop de vision, mais ça, il n'a pas l'information, Yankos. Et en plus, il y a Honor qui est là pour couvrir ce timing. C'est impeccable côté T1. Ouais, et puis là, Flakhead, il prend trop cher sous tour. Attention, il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur Faker. Le problème, c'est qu'on a le Rocket Jump, quoi. Donc les CC sont complètement buffer en général par une bonne Tristana. Et aucun doute que Faker l'est. Ouais, le top side est un peu climatisé avec ce dive sur Broken Blade qui est passé derrière et qui peut pas vraiment gagner son 1v1 contre une Gwen aussi compétente que Zeus. Ah, surtout qu'il a dû jouer un peu sur la défensive dans les premiers niveaux et avec GP, si tu veux mettre du rythme généralement en lane, c'est vraiment il faut snowball dès le level 1. Si tu perds ton level 1 avec GP contre un melee, bon, il n'y a plus vraiment de lane, il faut jouer pour farm. Mais là ils sont bloqués parce que le mid jungle qui a pris tous les kills côté T1, il est gigantesque. Ouais. Et on peut plus rien contester pour Caps et pour Yankos. Donc c'est dur. On peut pas jouer à travers la mid lane et du coup on a perdu le contrôle un peu de cette rivière bot side. On peut pas non plus jouer vers le bot et le top ne peut pas gagner en solo. Donc là on a un moment un peu compliqué pour G2. Complètement, c'est vraiment pas évident. Heureusement on a mis pas mal de vision. Regarde là toutes les pings qui ont été placées. On a vu Yankos et Targamas qui ont joué ensemble. On approche du Herald, mais regardez sur la mine, ça c'est le gros problème. Hein. C'est que Faker il peut mettre des énormes trades à Caps. Il n'y a pas grand chose à faire pour Caps. Hein. Caps qui a pas de TP en plus, il a plus de potions. Et le truc c'est que. Il se fait quasiment solo dive. Hein. Jarvan et Galio dans une Tristana, tu peux rien faire. Tu peux juste pas la gank. Non, tu peux rien faire.
tu peux vraiment rien. Éventuellement, si le Pike vient, mais c'est un tel investissement, ceux qui se font aussi push in bot, là, il va juste prendre des. Voilà, Targamas qui sait de venir, il sait que c'est. Il faut au moins donner un reset à Caps avant les prochains objectifs qui arrivent. Caps, il va prendre quoi? Ok, il va prendre les. Le pollen. Ouais. Mais disons, sur les timings d'Infernum de Flakhead, effectivement, il y a des roamings possibles de Targamas. Mais il faut avoir les bonnes armes du Aphelios. Si on va essayer de jouer pour le bot side, très bon grab de Kyria. Ouais, c'est bien joué quand même, les G2 qui savent qu'ils sont en train de perdre le Herald. Du coup, on cross map. On fait perdre des ressources à Goumaï aussi, qui est quand même 26 derrière. C'est bon ça. C'est bon ce qui se passe sur le bot side. Mais on l'a pas assez couvert, hein. Il a pu prendre deux plaques tout de même, deux plaques. On a un décalage de Caps, est-ce qu'on peut mettre un petit dive avec un ulti Galio, avec un Jarvan? Mais la Tristana, elle fait trop peur sur la mid-end, ça pousse tellement vite une Tristana. Ouais, oh là là, la tour qui va tomber directement. Faker qui a mis ses quelques bombes et la T1 qui va tomber à 8 minutes 45. Du coup, les G2 qui sont all-in sur le bot side, il y a peut-être un ulti Galio qui va partir, c'est parti. On va y aller, le rappel de Plume, Juseya de Goumaï aussi qui arrive à éviter le taunt et Kyria est encore vivant. L'ulti de Flakhead, c'est bon, ceux qui sont à récupérer, on va aussi collapse sur Goumaï aussi. Les deux kills sont pris. Attention. Bon. Pas d'ulti de Renata Troller. Ah, ils sont. Yankos et Kar se sont échangés quelques baffes sur la fin, mais les deux kills récupérés par les G2 en échange, ils ont perdu les deux tours à la mid lane. Ça coûte tellement cher. On regarde le compteur de goal à la fin de l'action. Il est encore plus en faveur de T1. En plus, au top, Brokenblade est obligé de lâcher la position sur sa tour. Deux plaques récupérées par Zeus en solo. Ouais, c'est trop dur. Le bilan est mauvais pour G2. Le bilan est mauvais, mais en vrai, c'est un bilan. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans la game. C'est-à-dire que vu ce qui se passe. Le verre complètement à moitié plein pour Duke. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'au moins, il se passe quelque chose. Quoi. C'est-à-dire que sinon, ils étaient foutus. Oui. S'ils tentaient pas quelque chose avec une compo qui ne peut faire que all-in et qu'ils étaient juste en train de se laisser mourir contre une Tristana, de toute façon, leur tour est le mid, ils l'auraient perdu maintenant ou dans 3 minutes. Au moins, eh bien, ils mettent quelqu'un derrière chez T1 et ils mettent quelqu'un devant chez eux, ce qui leur donne une condition de victoire. Si Flakhead fait un bon teamfight, il peut gagner, il peut permettre au G2 de revenir. Il suffit de un bon teamfight. Sinon, la game était juste perdue. Donc, oui, il y a un trou dans la mid lane. Oui, c'est compliqué pour les G2, mais au moins, ils peuvent jouer la partie. Complètement. Et on rappelle que la première game, le match aller pendant le Rumble Stage, G2 contre T1, ça s'est joué, bon, avec T1 qui fait des erreurs de Nashor, mais il y avait 10 000 gold d'avance pour T1 sur G2. Il y a eu un comeback purement de teamfight à base de Yasuo Diana. Donc effectivement, on peut éventuellement y croire côté G2. On peut se dire qu'à un moment, on se regroupe et on essaye de jouer avec ce Galio, avec ce Aphelios. On rappelle, il n'y a pas de flash du côté de Goumaï aussi. Il y a l'ulti de Yankos qui revient. Allez, c'est il parti. Est là. Le barrage de plomb du Gangplank, Goumaï aussi n'aura rien, absolument rien pour éviter ça. Les renforts de Honor, il y a aussi Caps qui est là, il n'a pas d'ulti Caps. On arrivera à prendre le kit sur Goumaï aussi, attention, puisqu'il y a le Z de Renata, il ne faut pas lui donner le reset, c'est bon. On arrive à supprimer Goumaï aussi, on va pouvoir partir. Faker sera là trop tard. Attention, ils ont pris beaucoup de dégâts, c'est pas mal fait. Mais Yankos qui est ramené par Kyria, est-ce que ça va suffire à l'arrivée de Faker qui prend le kill et qui met un bon trade derrière sur Caps. C'est compliqué hein, parce que. C'est dommage, ils sont arrivés, les G2 sur cette bot lane T1 bien en difficulté, mais ils ont pris tellement de dégâts pour les descendre. On n'a rien touché quasiment, Goumaï aussi a tout dodge. Et du coup, bah après, quand la cavalerie arrive du côté T1, les G2 ont plus grand chose. C'est pas bête. Le grave, ça touche Faker, mis un ulti Renata en couverture, on pourra pas follow up en termes de dégâts. Et Faker il s'amuse, y a pas grand chose non plus pour vraiment le venir le chercher. Il y a un grab de Pike, mais bon bah celui-là il peut le voir venir. Complètement. Le truc c'est que le 1v1 laissé comme ça en autonomie Broken Blade, forcément il est passé derrière, il va pas gagner son match-up. Hein. Non bah il a dû jouer vraiment en GP pur défensif, ce qu'il joue aussi, mais. Encore une fois, je pense que le match-up n'est pas si évident pour GP. Et quand tu peux pas mettre du rythme dans les premiers niveaux, c'est impossible. On va revoir là-dessus. Regardez, on touche rien en fait. On touche rien. Targamas touche pas son Q. Yankos touche pas son combo. Non, si Yankos aurait pas dû ult instant pour éviter que Flakhead prenne tout ce trade. Flakhead il s'est quasiment fait one shot par Goumaï aussi. Et on a dû ult pour éviter que Goumaï aussi finisse Flakhead. Du coup, là, il n'y a plus rien. Heureusement, Yankos fait un bon buffer. Alors, ouais. Kyria. Mais Kyria joue bien. Kyria est absolument incroyable là-dessus. Et finalement, ça laisse juste le temps à Faker pour arriver. Premier dragon, ce n'est que le premier dragon. Cette game ne se jouera probablement pas sur cet objectif. Allez, Targamas, il arrive trop tard, Targamas. Quel dommage. Dommage. Pendant que le public acclame son top laner. Ouais, qui vient manifestement de mettre un all-in sur Broken Blade qui s'en sort au prix de son flash. On le voit, plus d'ultimate pour Zeus, plus de flash pour Broken Blade.
Disons que Broken Blade, c'est pas le gangplank de Bean. Il utilise ses ultis pour autre chose que gagner son 1 contre 1. C'est vrai. Et donc à chaque fois, il se prend un trade violent de Zeus. Et la Faker, il va être tellement big avec sa triste. Il a fini son abatteur. C'est les tours, c'est déjà la troisième qu'il prend à lui tout seul en 13 minutes. 7800 gold, il a quasi, contre 4300, il a quasiment le double des gold de Caps. Il est gigantesque, Faker. On a commencé à accuser un retard qui est tellement énorme pour G2. Et on va arriver dans les fights, on le voit, hein, les mythiques, et surtout sur la mid lane, le mythique est prêt. On avance tellement plus vite sur le deuxième objet. Après, c'est un Galio, c'est plus low echo, on va dire. Mais le problème, c'est que bot lane, normalement, on a l'avantage du côté de G2. On voit que, bah, qu'en termes de stuff, on a littéralement le même stuff. Et 6K gold à 13 minutes, c'est Faker à très monstrueux. 2200 gold de plus que le deuxième qui est Honor lui-même, qui est monstrueusement bien dans la game. Bah, il va falloir être incroyable en fight. Ouais. Pour les G2, c'est la seule solution. Il va falloir que Targamas fasse des miracles avec son flash, avec son grab. Ah, faut faire un combo parfait sur une cible pour le one shot, pour que le fight soit un 4v5 après. S'il n'y a pas un one shot qui part en début de fight, c'est game over pour le G2. Hein. Il n'y a pas de réelle possibilité de revenir dans ces cas-là. Le problème, c'est qu'avec l'ulti Renata, le Z en temporisation sur ce genre de all-in, j'ai l'impression qu'on a quelques armes aussi pour lutter contre ça pour les T1. Attention Yonko, voilà, pas se faire grab. Complètement, tu l'as dit, hein, cette Renata qui leur fait mal. Ah, ils sont beaucoup utilisés de cette stratégie en counter engage, hein, les G2 de pick Renata. Ah, est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Non, on n'a pas de Predator en plus. À moins de mettre un ulti, mais bon, il y a quand même Gale Force et Flash et son Buster Shot, son ulti à la Tristana. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup pour être safe. Ah, elle est bien draftée cette Tristana. Enfin, c'est jamais évident de draft une Tristana mid. Mais là, après, si Faker n'a pas pris autant d'avance en mid lane, ça n'aurait pas forcément été rentable. C'est le problème de Tristana mid. Mais là, jouer comme ça. Après, on répond au souhait de RNG qui demandait au G2 de forcer les T1 à révéler quelques picks. Ouais. Et bien, contre ce Galio de Xiaou, il sait qu'il peut y avoir éventuellement cette réponse Tristana qui l'attend. Voilà, de rien la LPL. Ouais, exactement. Exactement. Alors, est-ce que. Le problème, c'est est-ce que Xiaou aura besoin de se sacrifier autant qu'a dû le faire Caps pour aider ses side lanes? Ça, c'est un autre sujet. Et ce sera la quatrième tour pour Faker. Ouais. Bientôt les 7000 gold d'avance pour T1 à la 15e minute de jeu. Il reste dans les statistiques qui nous ont montré jusque là, à savoir des early games absolument effarants. C'est dingue la différence qu'il y a sur les early games entre T1 et G2. On rappelle quand même que G2 champion d'Europe, c'est ce que normalement G2 met aux équipes les plus faibles d'Europe. Mais après, G2 a un mid-game monstrueux. Faut pas l'oublier. Ah, il va falloir le sortir. Rester là, ce n'est que la première game. Mais l'entrée en matière fait un petit peu mal tout de même. Ouais. Tant que Caps, il est en 3-1. Il fait ce qu'il peut avec son Galio. Ah, le truc, c'est qu'il a dû bouger. Il prend 60 CS, il prend 15 plaques. Ouais. On a vu les golds. Et le fait que le premier gang sur Broken Blade passe. Ça empêche un petit peu, ça supprime une des conditions de victoire de G2 qui n'était pas forcément la principale, mais une des deux avec cet Aphelios, c'est déjà beaucoup, c'est la moitié de rien pour les maths. Et du coup les G2 ils sont en cross map maintenant alors que le Drake arrive dans 50 secondes. Les T1 ont un contrôle parfait du bot side, regardez la vision qui est intégralement bleue sur la bot lane. Et du coup les G2 cross map top side, mais est-ce qu'on peut vraiment dive une Gwen par exemple? Donc Zeus il peut tenter de défendre. Il a sa téléportation et la T2 qui tombe à 17 minutes. Et on a encore un héros de la faille, il est dans les mains de Kyria en plus, hein, qui devrait pas trop tarder à s'en débarrasser. Bon baril. Je vois pas de move. Surtout si les T1 jouent safe comme ça, s'ils font pas l'erreur au Baron Nashor comme ils ont pu le faire pendant le Rumble Stage. Ils veulent fight les G2. Ils ont raison, hein. Je pense que c'est maintenant et après ce sera trop tard. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise position de Goumayoussi, donc on va revenir top. Là, Caps qui se disait peut-être que Goumayoussi allait jouer un petit peu agressif sur la mid lane, il aurait pu être puni. Téléportation disponible pour Caps, mais il n'y a rien, il n'y a pas de vision, le contrôle est parfait du côté des T1. Disons qu'à la limite, si on avait, parce qu'on a beaucoup joué pour le bot là, dans cette game pour G2, si on avait pu en plus faire un snowball propre à base de dragon,
Là, je vois une âme ex-tech. Il y aurait peut-être un dernier all-in. On aurait été à 2, 3 dragons. On aurait pu forcer ces fights. Là, les T1, ils ont les deux premiers dragons. S'ils n'ont pas envie de fight, juste ils fightent pas. Ils scale un peu plus. Ils avancent un peu plus en side lane. Terminé. Ils n'ont aucune raison de répondre aux provocations de G2. Complètement. Complètement. Et du coup, là, les... enfin, je vois pas trop comment trouver un fight. Hein. Peut-être que. Enfin, il va falloir trouver un coup de génie du côté de Targamas peut-être. Ah c'est vrai, il y a les flashs partout en face. Ouais, mais Megumi aussi n'est pas impressionné. Targamas le paye de la moitié de sa barre de vie. Ouais. Attention, peut-être quelque chose à faire. Et du côté, alors c'est qu'il y a un dash, il y a les plantes. Ouais, ça joue clean hein. Aucun spiné hein, chez T1. Ça touche cette fois-ci, mais est-ce que ça change quelque chose? Gumayus qui est peu impacté hein. Par ce grab de pike et pendant ce temps là les T1 qui vont faire la rotation vers le top. Ok, ils se font balader hein. Ils se font balader au coin du terrain et on a finalement trouvé une arène, mais voilà l'ulti de Gumayusi avec Zenzaya, un héros de la faille qui est lâché en pleine nature pendant qu'on a la téléportation de Zeus qui est en train d'arriver. Et déjà un premier mort, Flaquette s'est fait complètement annihiler et c'est tous les joueurs de G2 qui passent à la trappe. On ne peut rien faire. On court aux quatre coins du terrain pour les G2 et encore un troisième or peut-être à kill steal, finalement un shutdown pour Broken Blade. Capsi a réussi à tampon un petit peu, est-ce qu'on va prendre un deuxième kill du côté des G2 ou ça va s'arrêter là? Keria qui vient en soutien, Broken Blade avec son GP qui tente, mais malheureusement c'est une Gwen avec son DPS, énormément de dégâts. Les G2 qui veulent absolument jouer le tout pour le tout là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est dur de jouer contre Faker quand il est aussi devant. Il est arrivé, il a juste trichot Flaquette. Ouais, et on voit les T1, mais les G2 dansent dans la paume de leurs mains. C'est-à-dire on les fait courir au bot, au top, au mid. On arrive finalement à trouver un engage qui est du bout des doigts en mettant un double ulti qui est complètement esquivé par Messi qui a encore son flash hein, dans tout ça. Ouais. C'est pour dire s'il a une marge d'erreur conséquente sur ce qui vient de lui arriver. Bah, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème. Moi, j'ai pas du tout aimé ce pick GP face à la possibilité du pick Xayah. C'est que, en fait, la Xayah, elle a pas à ulti sur l'ulti de Jarvan. Et elle va ulti toujours sur l'ulti du Galio. Exactement, c'est ce que je vous disais en draft. C'est exactement ce qui s'est passé là. Et du coup, bah, le combo, même quand elle a pas son flash, ne marche pas forcément contre Xayah. C'est le seul AD carry qui peut s'en prémunir. Regardez ce qu'a mis Faker là à Flaked. Derrière, le fight est terminé. Allez, trop d'avance maintenant pour les T1. Et vu qu'en plus on n'arrive pas vraiment en engage, on n'arrive pas à créer du jeu, tous les cooldowns sont encore ouverts hein, pour T1. Donc on n'arrive jamais à essayer de prendre un joueur en défaut de position, en défaut de summoner. Alors peut-être si on devait rejouer maintenant, mais là on approche des 10 000 gold de retard. L'inhibiteur au top est détruit. Enfin, cette partie est quasiment parfaite, voire parfaite pour T1. Ouais, mais on a pris aucune tour, on a pris aucun objectif du côté des G2. On a pris quelques kills. Donc, c'était pas une perfect game, mais ça y ressemble beaucoup quand même. Ça en a l'odeur. Ouais, malheureusement. Après, on voit que les G2, on peut leur reconnaître de pas se laisser mourir. Même si du coup, on voit des plays qui sont largement perdus, mais c'est bien mieux de tenter ça, ce que je vous disais tout à l'heure sur le crossmap. Faut mieux tenter ce genre de play que de mourir lentement et de faire une non-game. Partir au Baron Nashor, c'est le moment. C'est la faiblesse des T1. Allez. Sur ce tournoi. Le T1 Baron. C'est maintenant, c'est l'heure du flip. Zeus qui va arriver, Yankos qui se suicide et c'est trop tôt. C'est trop tôt, un ulti Renata temporisé. Les T1 pulvérisent les G2 sur ce dernier Baron Nashor. Il devrait probablement avoir de quoi finir la game. Les G2 se sont fait massacrer. Ouais, le Baron était pas spécialement bien amené. Simplement tellement devant les T1 qui peuvent se permettre de le faire un petit peu au nez des G2. Et avec une seule personne qui sort du pit, et bien on les zone, les T1 qui font un massacre sur cette première manche. Allez, on va les récupérer. La première game ouverture de cette demi-finale au score pour les T1. Quoique, extraction avec un portail ex-tech. Je m'avance, les G2 sont encore debout. Ouais, on a pris quelques dégâts, mais ça devrait être en sortie. De base, on va aller tranquillement bot side et on va pouvoir commencer à finir. Mais c'est il faudrait peut-être mettre une ward dans le dos. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de téléportation. Ou alors, il faut faire une malrangue du côté de Yankos, peut-être aller se planquer
attendre 5 minutes dans un buisson. Le problème c'est que où quoi. Et pour focus qui. Ouais, malheureusement les T1 sont déjà en train de faire en sorte qu'il n'y ait personne dans leur dos. Regardez, ils sont tous en train de checker tous les bouches. On prend au passage le dragon. Et Faker est à 22 minutes de jeu. Il est tellement big. L'âme d'infini. Et le dernier push peut-être. On a le baron Ashor, 3 dragons, plus de 10 000 gold d'avance, une Tristana overfed. Midlife sur un crit. Et on n'a rien pour défendre. Il y a Zeus qui split sur la mid lane en solo. La T3 bot va tomber. On va avancer sur l'inhibiteur. Bon, on attend le miracle, l'intervention divine pour les G2. Ouais, est-ce qu'il y a des. Tous les flashs sont dispo. Faker a pas son flash pendant 5 secondes. Attention, Zeus qui est touché. Le Jankos qui a loupé son combo par contre. C'est un petit peu dommage. Caps qui va tomber. L'Ozonia. La détresse. Il sait qu'il n'y aura pas de toute façon de nouveau cooldown Faker, de Zonia. Ah non, il y a trop de dégâts. La téléportation. C'est Zeus qui est en train de revenir après son bac à la base. Plus qu'un inhibiteur debout. Le flash in de Honor. Et on va aller récupérer un nouveau kill. Ouais. Il n'y aura aucun objectif sécurisé par les G2 sur cette première game. Et Faker qui se permet de troll un petit peu sur la fin. Quand Faker se permet de troll, ce n'est pas bon signe. Dans un BO, en tout cas, 1-0. Très très autoritaire les T1 sur cette première manche. Bon, nous voilà peu rassurés. Pour le coup, cette première partie donne le ton. On va voir si les G2 ont des armes en réserve, ont des cartes secrètes, ont des jokers, ont des derniers atouts, n'importe quoi. Ah, je comprenais l'idée dans la draft. Je pense que ton meilleur joueur c'est Caps. Ton gros défaut contre les T1, c'est la phase de lane. Donne la meilleure phase de lane à Caps et pas forcément la pression sur la bot lane ou la top lane, même si ça ne sont pas si mal sortis bot. C'était au prix de beaucoup beaucoup de ressources investies pour eux et c'était pas du tout suffisant par rapport à ce qu'ont pris les T1. Ouais, non, et bon, ça a parfaitement joué en plus, on a très très bien réagi et grosse défense aussi de la bot lane. Bref, gigantesque game de T1. On va voir, on va les débriefer tous en plateau. Est-ce qu'on a une chance dans cette demi-finale? Est-ce qu'il y a des solutions? Eh bien, on va les rejoindre Twix et il va nous en parler. Ouais, bah écoutez, les T1 et les G2, ça a été expéditif, en tout cas très unilatéral pour cette première manche, messieurs. Les G2, comme ils l'ont dit au cast, Twix, ils ont tenté un coup de poker avec le Galio mid pour Caps. Mais effectivement, c'est un champion qui assiste ses coéquipiers et pas qui gagne la game tout seul. Et c'est certainement une volonté de G2 d'entamer ce BO dans un style de jeu qui n'était pas forcément attendu. Là, concrètement, comme on en a parlé en off, c'est totalement un style de jeu RNG, ce qui nous révèle peut-être les partenaires de scrim des G2 durant cette phase de préparation. C'est une draft chinoise, totalement chinoise, avec un petit supplément de Pike tout de même, qui est la petite signature locale de Targamas. Mais ce n'est pas le style de jeu dans lequel on reconnaît le plus les G2 et les qualités individuelles. Mais disons que les G2 ont tenté d'entamer ce BO en ayant cette version agressive chinoise de la méta qui manifestement ne va pas très bien fonctionner parce qu'il y a plus de pics que ce à quoi on s'attendait du côté T1. Cette Tristana a été une vraie surprise, Tréton. Oui. Elle est très très bien draftée, la Trist. Contre le Galio, bon, l'idée elle est simple, hein. C'est si Galio roam, il perd quasiment sa tourelle, il la perd en tout cas très très rapidement. Et en plus de cela, Faker a pu prendre des kills très vite sur le bot side parce que du côté de Caps, on a été appelé sur la top lane vu qu'il y avait un dive très tôt et Broken Blade donc qui répond GP dans Gwen, qui se fait stacker des waves sous sa tourelle, qui a un petit peu low life, qui offre un petit peu un dive facile, qui force step en son Caps. Ça aussi, ça a été l'un des gros problèmes pour G2 parce qu'on n'a pas pu utiliser le Galio comme on le voulait. Et dès la 4ème minute, Caps avait déjà plus de game parce qu'il n'y avait plus de téléportation contre un counter matchup. Il était vraiment en grande difficulté en plus du fait que dive, voilà, ils y arrivent, mais dive Renata Xayah, c'est super difficile. C'est tellement dur. Ça coûte cher, hein. C'est vrai, Twix. On a passé des dives pour les G2, mais à chaque fois, le prix à payer a été très élevé. Oui, absolument. Et on était déjà parti de base sur ce plan Galio. Et malheureusement, on n'a pas réussi à se prémunir contre des pics clés. Et le premier étant, bien entendu, Xayah, même si la réponse Jarvan est tout à fait satisfaisante dans un certain cadre. Mais la Renata en supplément, c'était vraiment le clou. C'était vraiment le pic de trop qui démantelait totalement la composition. Je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée. Le truc Jarvan counter Xayah, c'est un peu
c'est plus vraiment vrai parce que maintenant que tu peux faire une Gale Force, là tu peux jump ultimate et après quand tu ultimates, t'as tes plumes qui sont placées, Galio débarque et se fait one shot. Ouais. Je suis beaucoup moins fan maintenant. Enfin, de toute façon, je suis très fan de Xayah dans la méta actuelle. Je pense vraiment que c'est le meilleur ADC et du côté de G2, on s'est fait un petit peu piéger à le laisser sur Goumaï aussi qui a très très bien défendu. Il y avait juste pas d'opportunité de leur côté. Peut-être que laisser Lucian et tout, laisser ce genre de champion peut-être. Non, mais après, moi je comprends l'objectif. T'avais déjà dans l'idée de jouer un Galio. T'as vu un scénario qui était favorable. Le Jarvan fitait bien en quelque sorte. Il n'y avait pas de meilleure réponse que Jarvan dans un setup Galio. C'est peut-être le pic GP qui a un peu à pointer le dos entre guillemets. Est-ce qu'on n'aurait pas pu du côté de G2 test, quoi. Première rotation Xayah, le GP. Ah ouais, peut-être. C'est vrai que le GP est tombé un petit peu trop et vu ce qu'il a fait dans le match, honnêtement, il n'y avait pas forcément besoin de surinvestir. Est-ce que ça aurait été pire avec un autre pick pour Bibi? Ça, seuls les G2 ont véritablement la réponse. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que le GP en l'état actuel ne gagne pas le match-up contre Zeus. C'était peut-être un seul essai. Peut-être qu'il y aura de meilleurs linkfests. Peut-être qu'il y a des choses individuelles loupées au niveau de Broken Blade. Mais globalement, c'est pas le counter-pick qu'on attendait, dont on a parlé en pré-show. Oui, c'est vrai, mais c'était un test qu'on... C'est un test, hein, oui. C'était un test, sans doute, et bon, Zeus qui confirme que, bah, en fait, tu peux essayer dans les deux sens du match-up. Justement, on en avait parlé, hein, il gagne les deux sens du match-up, et ça s'est encore vu, là, Tréton. C'était un test, en plus, c'était aussi un red side du côté de G2, et ça, quand t'es en red side actuellement dans la méta, tu dois ban Lucian et Wukong, et t'es lock dessus, et du coup, T1, eux, ils avaient des bans qui pouvaient cibler sur les G2 qui étaient vraiment très forts. Typiquement, le ban Nocturne et Horn fait mal. Alors que maintenant que G2 va changer de side, T1, eux, normalement, à part gros changement, devraient avoir ban Wukong et Lucian de lock. Donc, va y avoir un champion intéressant pour G2 d'ouvert. Ce sera soit Harry, soit Horn, soit Nocturne, mais des champions qu'on sait fit bien avec le PSL G2. C'est exactement comme ça que ça devrait s'opérer. Et pour rassurer un petit peu les fans européens et pour renouveler un petit peu le copium, cette game numéro 1, c'est vraiment une tentative, c'est une draft très spécifique de G2 qu'ils n'ont pas du tout practice à travers ce MSI. Ça n'annonce en aucun cas la thématique de G2 à travers le BO. Et juste cette game est simplement une nouvelle page au sein du BO5. Mais c'est 0-1 tout de même du côté G2 et donc il va falloir se relever dès la game 2 qu'on attend de voir la réponse bien sûr du côté de nos champions d'Europe. On n'a pas encore obtenu l'information sur le side, ce qui me laisse le temps de vous parler eh bien, de la sélection musicale des deux équipes en lice aujourd'hui. Donc, les T1 et les G2 ont chacune choisi 4 chansons pour lesquelles le public a voté et pour en sélectionner une seule à la fin. Donc, c'est sur Spotify. N'hésitez pas à aller voir sur l'appli et à utiliser le QR code. Voilà, Et T1 a choisi Jul Lovni. Et okay. pour aller vérifier cette information, allez voir sur le QR code, de rien. Absolument, voilà, donc Spotify, QR code, les hymnes des deux équipes. Et G2 a choisi Blue Side, donc... Logique. La fameuse situation au niveau des bans, on va voir comment vont s'en sortir les T1 justement au niveau de leur ban. On va voir quel va être le nouveau plan de jeu du côté des G2. On se retrouve d'ici quelques minutes sur OTP LOL pour la game 2 de cette demi-finale du MSI. C'est un best of five. A tout de suite. Deuxième partie de ce best of five demi-finale du MSI 2022 T1 G2 Esports. 1-0 pour T1, Tréton. Nous en avons discuté à l'instant. Les G2 qui ont pris un pari dans cette première game. Un pari qui n'a pas été couronné de succès. Non. On efface, on passe à la partie suivante, on prend le blue side et on voit maintenant ce que les G2 ont à proposer lorsqu'ils ont la main. Lorsqu'ils ont au moins un OP. Un OP disponible en first pick très très probablement. On va voir aussi ce que T1 va faire. Est-ce qu'ils sont vraiment bloqués sur des bans de Wukong et de Lucian? Est-ce qu'ils laissent open des champions sur OP pour retirer quand même du Horn, retirer de la Harry qui sont des champions, on le sait, super importants dans le système de G2 Esports? Après, ça stompe en première game quand tu tentes quelque chose. En soi, c'est pas très grave. Normalement, le mental des G2, je pense pas qu'il soit atteint. C'est cette game maintenant qui est vraiment importante. Non, toute équipe qui sait comment gérer un best of 5, c'est que la première game, c'est l'occasion parfaite pour jauger la forme du jour, pour pourquoi pas essayer d'arnaquer, prendre une première game très très fast avec une composition qui a vraiment une thématique très appuyée. Cette période est passée. On passe à la game 2 maintenant. Il est temps de montrer sa main. Et c'est G2 qui bat le Nocturne ce coup-ci. Intéressant, très intéressant. Ça sent le Horn à plein nez. Il y a de fortes chances, oui. G2 qui peut vraiment ban relativement ce qu'ils veulent. La Gwen, on veut pas de ce genre de match-up contre Zeus qui est vraiment trop fort sur le pic et contre le pic.
ça sent le horn à plein nez. Et si ce horn est drafté en première rota, il faut considérer Gangplank. Et le voilà. Donc c'est horn. On l'a donc compris. Attention, par contre, il y a aussi Harry de Open. Oui. Et au passage, je pense que G2 met pas une si grosse priorité sur Horn. Exactement. Donc tu peux Sion. Open. Tu peux Open Harry. Tu peux Open Harry parce qu'ils ont Sion contre Horn, je pense. Ah, j'ai pas envisagé Sion. Moi, j'envisageais plutôt des choses de type Camille. Pourquoi pas. Pourquoi pas, en effet. Il y aura pas le Swain, hein, bien sûr. Horn et Ban, Harry Open. Et là, faut se jeter dessus. Et là, c'est. Bah, on misait un petit peu dessus côté G2 tout de même, hein. On misait un petit peu dessus et là c'est Harry automatiquement. Pas vraiment de meilleur choix. Ah oui, c'est bien. Le Ban de Horn, que je trouve personnellement plutôt pas mal. Ouais, il est intelligent parce que j'imagine que Faker a quand même des réponses contre. Alors est-ce qu'il va faire. Lissandra, comme... il sait jouer Lissandra. Hein. Est-ce qu'il va faire comme Xiao et jouer Lissandra? Est-ce qu'il va jouer le skill et jouer le blanc? Il y a Vex aussi de jouable. Si tu veux un pick, si ton objectif c'est de shut down caps, Lissandra est certainement la meilleure solution disponible. Est-ce qu'ils ont eu le temps de la train? Est-ce qu'ils l'ont train? Est-ce qu'ils apprécient les conditions ou est-ce qu'ils préfèrent des recettes old school? C'est bien. Old school it is. Matchup Harry Leblanc, c'est tout ce qu'on demande entre les deux joueurs sur la mid lane. Est-ce qu'on prend Xayah tôt ou non pour T1? On sait que le pick est extrêmement fort. Il n'y aura pas de Nidalee, je vous rassure. Non, ça partirait plutôt sur du Viego par exemple pour Honor, je pense qu'il fonctionnerait bien pour lui. Honor en réalité, les T1 n'estiment pas que Nidalee est un bon pick compétitif. C'est ce qu'ils ont dit en interview après. Sait-on jamais? Et c'est le Lee Sin, c'est le Lee Sin Leblanc, c'est le mid jungle. Bah, l'un des mid jungle historiquement les plus féroces de League of Legends. Dépendamment des patchs, mais il y en a eu beaucoup où Lee Sin Leblanc a été le duo dominant. On va voir quelle est la réponse du côté de Yankos. Est-ce qu'on met toujours de la priorité sur Graves, par exemple, ou est-ce qu'on préfère un pick de Viego qui est assez even contre Lee Sin? Il y a aussi la grande question de la Xayah. Mm-hmm. Ça me plaît pas mal, Graves Harry, mais la thématique reset, c'est ce que j'allais dire. Qui va peut-être inciter les G2 à partir dessus. Nous y voici, nous y voilà. Est-ce qu'on a peur d'un pick de Goumé aussi quand on pick Xayah Blind pour G2? Est-ce qu'on a peur de sa Kalista par exemple? Je sais pas, là tu coup. Quoi? Oh, le Sion Blind. C'est un Sion Blind. C'est un Sion Blind. Parmi les solutions, bon, il y a les classiques. Il y a le Aatrox notamment, qui je pense est en pole position ici, mais pas forcément très agréable à jouer contre Harry Viego. Il y a Camille, évidemment. Il y a Camille, bien entendu. Il y a Shyvana, MDR. Alors, Shyvana fait beaucoup de dégâts en pourcentage, figure-toi, donc attention. Il y a un Gnar, c'est un peu plus smooth, un peu moins Tendax. Oh, ce sera finalement un Nautilus. Ouais, j'aime beaucoup, en fait, étant donné que t'as déjà draft un mid-jungle extrêmement féroce, auto-accompagner ça d'un petit Nautilus pour faire un trio monumental. Et puis quand les T1 ont remporté game contre RNG, contre G2, c'était avec le Nautilus de Kyria, qui est vraiment très bon. Et en plus, ils ont deux bans support à proposer. Ah, le Sion, c'est vraiment un pick et une situation dans laquelle il est draft qui révèle beaucoup de choses chez les G2. Oui. C'est vraiment, on veut pas jouer de match-up skillé sur la top lane. On veut juste avoir l'utilité de Broken Blade en mid-game, de frontliner pur et dur. Et le ban Renata qui est évidemment très intelligent côté T1. Complètement. Kalista retiré pour les G2. Encore une fois, Xayah est pour T1 un pic de fou. Absolument, mais ils auront la main en plus de ça, donc ils forcent plus ou moins le ban, hein, je pense. Ah ouais. Il semblerait. Ça devrait être Xayah, je suis bien d'accord avec toi. Ce sera un Gnar. Et donc Xayah en réouverture et last pick top lane, c'est à peu près la thématique. Est-ce qu'on envisage peut-être, je sais pas, une Kai'Sa? Non, la Kai'Sa serait trop banger. Enfin, la Xayah serait trop banger pour G2, je veux dire. Ouais, faut la prendre, le champion est vraiment fort. Après, il a encore un Aphelios qui est correct, qui peut être tout à fait jouable du côté de Flakhead. Après avoir avec quel support. Après Xayah Nautilus, ça se fait pas surprendre par beaucoup de choses. Ah non, il y a pas grand chose du tout. Ça a les deux côtés, offensif défensif quasiment maxé. Il y a Bro Malistar, je dirais, en support, peut-être même Rakan. Ah, une Jinx. Bon, pourquoi pas autour d'un Baron et tout. On peut rêver d'une situation comme ça. Hein. Clairement, c'est pas déraisonnable. Aphelios Brom, ça me paraît être quasiment le plus optimal. Pas dégueu. Pas dégueu. Et si on veut plus de follow-up, Alistar ou Rakan, on notera que Targamas a pré-lock Aurélion, pré-lock de Shaco. C'est pour qui c'est? C'est pour
pour qui? Marek, c'est Saken, évidemment. Ah, merci de préciser. Mordekaiser, non. C'est un brome. Un brome comme prévu. Alors, je sais pas pourquoi, je ressens un Kenen Top côté de Zeus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça qui va arriver. Un Zillian, tu sais. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai l'impression que ça va être un Kenen, tu sais, avec l'item Riffmaker. Oui, ça peut être bien. Moi, je dirais plutôt Camille. Si je devais. Si Camille je devais est vraiment sympa aussi. Contrarié et tout, c'est vraiment pas mal. Oh, oh le Yonet de Zeus! Oh la vache! Et ça, mesdames et messieurs, alors, ce match-up, il est difficile pour Sion. Il est très difficile. C'est pas évident de lock un Q-spell. C'est pas évident de ne pas se faire Astro Dive et en teamfight Mamacita. Analyse de très bas étage. Oui. Mais on a de la chance sur le serveur EU West. On a des OTP Sion, on a des OTP Yone très connus. Zookill. On a Zookill, on a The Boss. Donc ce match-up, on l'a vu pas mal. Normalement, Broken Knight doit le connaître parce qu'il doit jouer avec ses joueurs. Il doit savoir ce qui se passe un petit peu. Ouais. Donc j'espère. De toute façon, son but, c'est de tenir et après, c'est de jouer en mid-game et surtout du côté des G2. Le vrai objectif, c'est de passer devant en mid-jungle. Il faut que Caps et Yonkos prennent de l'avance. Si jamais c'est le cas, ça veut dire que Caps va pouvoir prendre beaucoup d'opportunités en mid-game, va pouvoir engage pas mal de fights, va pouvoir catch beaucoup de joueurs. Et derrière, on peut mettre en place une très belle composition front-to-back avec un Flakhead qui est couvert par un Braum, par une frontline de Sion. Donc un très bon teamfight. Voilà, mais tu l'as dit, il faut absolument que la composition G2 puisse sortir des laning phase en pouvant assumer sa forme finale. C'est ça. Sa forme de front-to-back. Tout back, tout front, tout back. Il ne faut pas qu'il y ait un des deux piliers qui s'effondre totalement, car si la frontline se fait démembrer, évidemment tout le reste va collapse. Donc l'objectif, serrer les fesses en quelque sorte, en laning phase. Il faut dire ce qui est. Et la game est totalement à leur portée. Mais c'est une game déjà qui est beaucoup plus even en termes de draft et qui ressemble beaucoup plus au match-up mid. Le match-up mid donne normalement de l'espace à Caps pour faire parler à ces divines mécaniques qui sont de retour. En revanche, TP contre Ignite au mid. TP contre Ignite, le blanc a le moyen de solo kill. Le blanc en réalité met un peu plus de rythme en early game que Harry, mais Harry est un bien meilleur champion plus tard dans la partie. De ce que l'on voit un petit peu de ce match-up, et Caps qui va devoir peut-être faire un petit peu le dos rond, parce qu'en plus de le blanc, il y a quand même le Lee Sin d'honneur. C'est pas forcément facile. Et peut-être le push aussi pour le bot side également. Hein. Donc peut-être Carrier. Un Nautilus qui aura peut-être tendance à se balader. Ce Sion sera tank, naturellement. Pas de dinguerie. Après, en vrai, le push bot side, je pense que le match-up est assez even. Et le fait qu'on ait heal advantage pour G2. Le heal advantage, ouais. Le fait qu'ils aient le heal fait qu'en 2v2, ils sont peut-être capables de créer un peu la surprise. Attention, un carré qui va flash in sur Caps niveau. Oh, et c'est complètement lock la chaîne, ça force un flash. Ça ne sera même pas suffisant. C'est first ball, on peut peut-être avoir un get back. Ici, Kyria qui va normalement tomber. Il arrive à space, mais il va tomber. Il est finito, Kyria. Si on donne le kill à Sion, j'allais dire. Peut-être qu'on pouvait envisager autre chose, mais sur Viego, c'est naturellement le bonheur. Et ça donne le ton. Ça va attaquer Caps. Ok, dans game. Les deux junglers ont un kill. 100 gold de plus pour Honor. Naturellement, aucun des deux qui a reset. Et les deux midliners. Et là, c'est un gros problème. On start eux, ce qui est fine pour le blanc, ce qui n'est pas fine pour Harry. Par contre, Flakhead sur Gouma aussi pour lui mettre un trade assez intéressant au niveau 1. Malheureusement, Targamas n'était pas et encore une dernière. Présent. Oh. Dur. En tout cas, toutes les transitions niveau 2, niveau 3 sont totalement en faveur des G2. Hein. C'est validé. Ça va les mettre bien sur la bot lane. Ouais. Par contre, sur la mid lane, vraiment très très difficile pour Caps avec ce starter. On risque d'avoir une Leblanc qui bouge un peu, mais là, Kyria, c'est. Faut dire. C'est bien joué. Allez, les balls du type. Hein. Alors, pour une fois, l'encre de Nautilus ne me paraît pas choquante. Car elle était rudement bien ajustée. Il y a un coach qui réagit quand même bien, qui arrive à prendre le kill. Targamas intelligemment qui attend que la potion tourne. Pour pas Q et. Ouais. Pour pas Q et execute. Kyria qui met son équipe dans les bonnes conditions. Enfin, pas toute la map non plus. Pas toute mais la map. Mais son mid lane. Et encore une fois, T1 est bien au courant. C'est Caps qu'il faut gérer. Ouais. Ils ont réussi à mettre Tristana dans Galo Game 1 et maintenant il prend un gang de 3 personnes au niveau 1 tout simplement. Voilà. Il est muselé. Et la Caps qui est pas si mal en réalité. Hein. Il a un stack de potions d'avance. Joli charme ici, très bon trade. Et du coup, deux stacks de potions d'avance désormais pour Caps. C'est fou que Caps s'en sorte aussi bien. Attention parce que maintenant c'est le timing quand même compliqué parce que ça va bounce pour lui. Il a pas de flash.
une chaîne qui connecte, un listen qui est présent, c'est un kill pour T1. Et l'ignite utilisé aussitôt dans le match, ça revient vite, mesdames et messieurs, ça revient très très... Ouh, j'ai eu très très peur. Les deux junglers qui se scoutent. On sait que c'est maintenant que c'est le timing dangereux, on sait que maintenant Cap c'est peut-être en difficulté, par contre c'est la question sur la bonne position, on pourrait mettre beaucoup de dégâts. Il y a toujours une cleanse, attention Targa, retour de plume, Targamas en difficulté, une nouvelle superbe auto-attaque de la part de Kyria et tous les summoners qui tombent comme des mouches sur la botlane G2. Ils ont go sur le timing niveau 3 de T1, ils ne sont que niveau 2 bien évidemment et ils perdent tout et G2 et ils pourraient d'ailleurs se faire dive par Runner qui est présent. On va voir s'il y a un hook qui va partir, qui pourrait être linké sur une onde sonore. On s'attend à ce que Yanko soit là pour escorter la situation. Yanko, ça a dû être repéré. Honor qui cancel son reset. On veut crash et on veut s'en aller comme des princes. Et ici, les G2 qui vont avoir un tout petit retard sur la carte. À moins qu'il y ait un cancel. C'est le petit souci parce que G2, quand même, avec ce qui s'est passé dans les games, se devait de dominer la botlane. Je pense qu'ils ont voulu un petit peu le forcer et ils se font bien punir pendant que sur la top lane. Ah, le match-up fonctionne pour Zeus en termes de CS, il est déjà bien devant. Tout à fait, après sa barre de points de vie n'est pas dans un état colossal non plus. Caps qui va s'octroyer un joli reset. Faker qui devrait le match, mais il y a une téléportation pour Caps, donc est-ce qu'il l'utilise, est-ce qu'il l'utilise pas? Il l'utilise. Saut noir pris du côté de Caps. On crache ça et on va essayer de bouger un petit peu, bouger où? Avant le niveau 6 bouger avec Harry, c'est quand même, ça laisse un peu à désirer. Ah pourquoi TP si tu veux pas bouger du coup? Bah je pour rater absolument aucun creep, peut-être avoir la transition niveau 6 juste avant la Leblanc et tenter quelque chose sur ce timing. Ça peut se comprendre. Zeus qui veut faire crash cette wave, il va y arriver bien évidemment, il devrait lui aussi prendre son reset incessamment sous peu. Retour en lane plus ou moins équivalent pour les deux bot lane. Pas d'énorme écart en termes de stuff. Bientôt un timing lance-flamme Gravitum pour flaquer Targamas. Ça peut être un timing très intéressant, mais en l'absence de Summoner et en la présence de la cleanse de Goumaï aussi, est-ce qu'on veut vraiment envisager quoi que ce soit? Rien n'est moins sûr. Je pense pas sur la mid lane de trade de Faker qui passe très très bien. On répond avec un bon bisou du côté de Casp, mais le Xpel n'a pas connecté malheureusement et ce trade est largement pour le blanc. Attention à l'ignite de Faker. Tout à fait, le niveau 6 qui est imminent des deux côtés, surtout pour Caps qui va l'avoir ici sur le prochain minion. Peut-être qu'on peut chier sur le prochain minion après. Hein. Ah, il est niveau 6, le charme a été loupé, on l'a vu en haut. Ah, s'il touchait, il pouvait partir à l'all-in. Ouais, je suis d'accord. Et là, pour Caps, encore une fois, une session de wave un petit peu compliquée. Si Faker W in, c'est jouable. Joli orb. Il y a de la tension dans ce match-up entre Faker et Caps. À tout moment, ça peut partir. Ok. Niveau 6 atteint des deux côtés, le pollen salvateur pour les T1, parce que là les G2 avaient un assez bon setup pour surprendre Faker. Sur un Targamas et Flakad, on le rappelle, ils n'ont pas de flash. Kyria, lui, vient de récupérer son flash. Normalement les T1 vont pouvoir prendre de la priorité maintenant sur la bot lane. Cette mid lane. Est-ce qu'on va tenter le bisou qui a été dodge par une distorsion out? Kyria, le cancel hook, le superbe setup. Est-ce qu'on a des blinks qui peuvent revenir? Superbe porte de la montagne pour Targamas. Est-ce qu'on peut avoir un get back intéressant sur Kyria? Kyria qui est relativement low, mais on ne peut pas aller plus loin. Et ça, c'est la spéciale Kyria. C'est la spéciale Kyria. C'est le hook cancel à l'auto. Exactement. On commence l'auto-attaque sur un creep et le hook part. Et du coup, l'animation est un petit peu cancel. Et en réalité, son trade est pas positif. Mais il est juste là pour préparer un potentiel dive avec Honor qui est présent. Mais on voit que Yonkos lui aussi couvre bien depuis tout à l'heure. Yonkos suit parfaitement Honor dans toutes les situations et couvre bien ses lanes. Absolument. L'objectif, comme tu l'as dit, c'était de descendre la barre de points de vie, surtout de Flakhead. Mais aussi qui joue très très haut. Hein. Il a bien raison. Il fake un petit peu la présence de son jungler, de son support derrière. On n'a pas l'information évidemment du côté de G2. Yonkos qui doit back, il va retourner sur le top side. Et un Broken Blade. Bah pour le moment, sur sa top lane, ça tient dans le pur 1v1, il va évidemment ulti pour revenir sur sa lane. Pas le moment le plus difficile pour lui, mais il y avait un petit timing early effectivement où Yone pouvait surprendre. Il n'en sera rien. Petite blade, tu vas voir Gouma ici qui prend quand même un petit avantage. Très très fort Gouma sur Xayah. Ah, plutôt précis. Targamas à la cover. Faker qui va simplement accueillir cette wave. Elle est déjà préparée pour être wipe. Et des deux côtés. Maintenant, c'est pas attention. Faker qui connecte sur la chaîne, qui met quelques dégâts. Mais Targamas est bien là en couverture. Et on veut jouer évidemment le héros de la faille. Hein. 7 minutes 50, 8 minutes, ça va respawn. On voit évidemment les supports qui ont fait le décalage. Et Caps qui a pris un mauvais trade, mais pas d'ultimate sur Faker. Donc si on fight maintenant,
Là, le blanc est un peu moins utile. Il est très très bien ce blue buff aussi. On a également la salade pour Caps. Toutes les conditions sont réunies. Ah, il mais il manque la prio. Il a aussi loupé la dernière salade. Attention, le fetch check. On a fait des KL à Felios. Donc on a un man advantage actuellement du côté des G2. Et T1 par contre a un énorme push sur la botlane qui va arriver. Et donc des plates qui vont être prises par Goumayoussi. On trade des ressources sur la TC quelle pour décision. Le Renafai. Quelle décision, peut-être l'arrivée de Zeus sur le côté supérieur. Non, ce héros de la faille est déjà trop low. Les G2 vont donc l'obtenir, les T1 le concéder. Mais à quel prix? Oh, Targamas Kyria qui a de bons mouvements, ça aurait pu partir à l'all-in pour les G2 ici. Et sur la botlane, pour le moment, on n'a pas encore tapé la tourelle hein, pour Kuma ici. Il va juste envoyer une énorme wave que Flaket va pouvoir réceptionner tranquillement. La gestion de wave bot de T1 laisse un peu à désirer ici. Ouais, n'avait-il pas assez de puissance de push? Pourtant Xayah ça se positionne plutôt pas mal. Positionné de manière autoritaire, mais en confiance. Et les G2 qui ont une véritable carte à jouer, on a potentiellement une égalité en gold hein, si on considère ce gros de la faille. Oh, ils sont très très fine les G2. Cap s'est pas fait finir plus que prévu malgré le niveau 1. Attention à ce trade qui force l'ulti out tout de même de Caps. Tout à fait. Ulti pour ulti, mais à l'avantage de Leblanc, naturellement. Très embêtant comme trade. Il avait peut-être peur aussi de la présence de Honor, parce que je pense pas que Faker avait l'état à lui tout seul. Mais si jamais la chaîne proc et que le Lucine arrive, forcément on était décédé. Yankos dans le dos, est-ce qu'on a un setup encourageant? Pas de marque non, de Brome sur Kyria malheureusement. Targamas qui perd beaucoup de points de vie, le retour de Plume, la grenade ASM. Yatou qui part sur Flaket qui est tombé, mais la reprise de volée est monumentale pour Honor. Une nouvelle onde sonore peut-être, est-ce qu'on dive, est-ce qu'on plonge? Où est-ce qu'on va simplement au dragon? Oh le rebond! Oh le rebond, mesdames et messieurs! Jeanne et Serge! Attention, Gouma qui s'avance un petit peu. Zeus pendant ce temps-là, toujours de bons trades sur Broken Blade pour que le mec essaie de se défendre, mais qui prend beaucoup de dégâts. Il va réussir à dépush la wave cependant, c'est l'important pour lui. Ah, dès qu'il y a le sceptre vampirique, c'est une autre paire de manches. Niveau 5 contre niveau 6, on supporte, ça fait la différence dans ce 3v3 remporté par T1. Le retour de plume, Tréton. Le retour de plume. Mais il est mieux joué à tous les égards. Hein. Tu vois, sur Yankos, il n'aura pas Kyria malheureusement qui a réussi à s'enfuir. Par contre, ça peut être intéressant. Oh. Et Zeus qui a tanké la charge. Pas d'ulti pour Caps. Hein. Pas d'ulti pour Caps, absolument. Est-ce qu'on peut aller le chercher sous tourelle? On va commit, on va commit, on va commit. Le charme est loupé. L'action est morte. L'action, il n'y a plus d'action. Et sur la mid lane, ça va coûter très cher à Caps. Parce qu'on va pouvoir push côté de Leblanc. Et Zeus pourrait tenter le 1v2 au passage. Il n'y a pas de mana sur Broken Blade, c'est ça qui manquait. Pour venir au dive, Caps qui va back et téléporter sur la mid lane pendant qu'on utilise le héros de la faille sur la botlane, il y a peut-être un petit trou là. Sur le timing reset, nécessaire à Goumayoussi, une petite charge, Kyria qui essaye de zoner au maximum ce TP. C'est l'engage, on temporise, l'arrivée maintenant de Honor et celle de Faker sur le side, il n'y a plus de fissure glaciale, Honor qui est sur le point de tomber, qui va être shot down par Yankos qui est maintenant Alice in Faker qui essaye de jongler, le hook qui ne passera pas pour Kyria, une nouvelle chaîne mais pas de kill normalement pour les T1. Un petit peu dommage du côté DG2 que Caps et Papa qui est téléporté sur la bot lane. Ils auraient pu faire un bon move, mais Caps arrive à push sur la top lane, à prendre des plates, mais forcément ça répond pour les T1. Le dive, il le menace. Est-il véritablement possible? Yankos est quasiment full life. Shutdown Viego, Tréton. Ouais, après c'est pas forcément sur lui qu'on veut vraiment les golds, c'est plutôt sur Apollos, sur Ahri. Et Kyria qui joue très bien le coup, hein. Langage puis flash out pour temporiser juste du temps pour permettre à la Leblanc de Faker d'arriver. Honor a voulu faire la même chose. Mais ça ne s'en est pas sorti. J'ai eu très peur quand j'ai vu la fissure glaciale de Targamas partir avant l'arrivée de Faker. Et la tourelle botlane, voilà, regardez tomber du côté de Flaked et Goumayoussi qui s'envole en termes de gold sur sa botlane. Il y aura bel et bien une Xayah overclockée dans ce match pour les T1. En plus d'un Yone qui, comme vous pouvez le constater en bas de votre écran, t'es en train d'accumuler pas mal de ressources. Ouais, il est vulnérable, il est chopable, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul, le trade est bon pour Zeus, il met quelques dégâts sur Broken Blade. Bon, il va juste reculer, il reste très tanky avec son fion. Même si Kyria va connecter l'encre, il n'y a rien à faire actuellement pour les T1. Peut-être qu'Honor pour enchaîner, mais on a de bons mouvements pour Broken Blade qui joue bien son X-Side. Attention, ça va essayer de turbo go sur le bot. Est-ce qu'on a un timing chakram pour Flaked? On l'espère. Oui. Si on a un timing chakram, c'est peut-être... c'est peut-être rien du tout, il y a plus que deux plaques, donc elles sont trop tanky. Elles sont peut-être trop tanky et surtout il y a le Yone qui arrive et là Flaket, regarde, il perd du temps, il ose pas push la bot lane. Oh, il n'y a pas de létal malheureusement sans Ignite. Bon trade quand même. Mais c'est un bon trade.
Avec Ignite, c'était potentiellement un kill. Targamas qui va maintenant se battre, on a pris un bon trait sur la mid lane, donc on a envie de jouer du côté des G2. Utiliser l'avantage d'HP de cette arme. L'avantage de mythique aussi, hein. Mm-hmm. On a un Faker qui a très très peu de stuff au final. Ah, il doit reculer, mais il éclaire la wave, Faker il joue bien le coup. Il va pouvoir back, il va revenir tranquillement sur la carte. Les G2 qui veulent cancel le back de Faker, c'est chose faite. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir prendre quelque chose dessus? J'ai pas l'impression, Tux. Il n'y a pas grand chose et surtout il y a déjà le side de Broken Blade qui est à feu et à sang. Kyria qui est charmé, qui ne prend aucun dégât, le hook qui ne passera pas, qui va forcer un nouvel assaut spirituel de Caps. Décidément, on fait pas ce qu'on veut avec ses ultis à rire. Bon, loin de là, Caps qui tente de rogoin, Kyria qui n'était pas FK Shop évidemment. Évidemment. Qui se repositionne bien, et les T1 sur la carte qui sont toujours très bien dans ce match. Ça au... hold tout. Personne joue le Drake pour le moment. Non, c'est bien vrai. Faker qui s'est bourré d'item quand même, non? Bizarre ça. Après, il avait peut-être pas assez pour le Luden, donc il s'est dit. Il veut un spike maintenant, mais ouais. C'est étonnant quand même. Hein. Donc, c'est assez étonnant ces double baguettes. 2K gold dans la DC, hein, c'est immense. Je sais pas ce qu'on fait avec double baguette. À part un sandwich. Pas mal. C'est pas mal, honnêtement. Ah, pour que le deck a peut-être un timing de démolition dans sa game. Et non, malheureusement, il n'en aura pas un seul. Non, malheureusement, il a un timing de tankiness. Je ne sais pas si Yone est vraiment capable de le découper avec ce stuff. Je pense qu'on a encore quelques minutes de paix. Là, ce héros de la faille numéro 2, il est pull. Ce qui va aller au bout, rien n'est moins sûr. On va voir avec Caps pas d'ultimate, donc Caps doit respecter ici à 207 encre de Kyria. Chaque fois qu'il auto un minion, t'es en angoisse. De la faille va être pris par les T1 sur le reste de la carte. On va essayer de cross-map évidemment pour Yonkos qui va aller chercher le dragon, le premier de la partie. Est-ce qu'il est diveable ce Yone? Parce que sur la précédente interaction, on a quand même eu une belle démonstration, hein, de la part des mécaniques de Zeus. Il tank l'ultition dans son buffer ulti, mm-hmm. Et donc du coup il interrompt l'ulti et il peut quand même ulti out. Le Carapator par contre qui sera peut-être pas disponible pour Yonkos. Il y a plus de smite et Goumé aussi va le zoner. Par contre sur la top lane, Faker faut le punir. Au bout d'un moment. Mais c'est Faker qui est puni. C'est Faker. Il sera rattrapé mais il a pris la tour. Il a pris l'ADC. Et il y a également 3 joueurs G2 sur ce top side. Tellement bien joué. En 1, ça m'a l'air worse, hein. C'est super worse parce que sur la mid lane maintenant il y a un énorme trou. Du côté des G2, personne n'est présent pour défendre. Il y a un héros de la faille, bien évidemment. Et c'est un des deux qui pourrait tomber ici. Par contre, Kyria est très avancé. Kyria pourrait se faire attraper. Et Kyria troll un petit peu. Mais Kyria est totalement dead. Est-ce qu'il peut compter sur le support de ses coéquipiers? Il y aura trade back. Broken Blade, vulnérable, mais pas abattu. Honor qui va le chercher loin, peut-être trop loin. Le smash pass, la fissure glaciale. Où sont les dégâts? Ils ne sont pas présents, j'ai l'impression. Honor qui va recouler. Ils sont là, ils arrivent les dégâts alors que les T1 sont en train de grid. L'arrivée de Zeus qui loupera finalement son ultimate. Et maintenant c'est Goumayoshi qui est en échec et mat. Ils sont cupides et ils sont punis. Ils sont bien punis par des G2, par un Targamas réaliste ici qui savait qu'il avait lui le tanking de bait les T1. Honor qui va beaucoup trop loin, qui réactive ce qui se mêle de l'essinat de son parent d'Afaker. Sur Targamas, ça peut aller très très vite. Oh, ça passera pas ça devrait pas passer. Double disto, il y a le Guardian, il y a absolument tout, il se positionne parfaitement. Par contre, et la chaîne est passée, what? La chaîne est passée dans tout cela. Il y a quand même une grosse pression avec ça, le blanc. La petite bonne nouvelle, c'est que Caps a récupéré des kills. Et on le voit ici, il va être agressif maintenant sur Zeus. Allez, le 1v1, pas mal. Le charme il passe, ça peut aller au bout. Il y a le Shilvo, les assauts spirituels. C'est pour Caps, c'est totalement pour Caps. Il faut que les derniers spells touchent, il faut être patient. Non, c'est loupé. Et Zeus qui claque. Un énorme get back. Le 1 pour 1 entre les deux joueurs. On a très bien joué du côté de Zeus. Ça se collait contre la paroi, ne pas prendre ce spell de Caps. C'était extrêmement clutch. Oh. Après, ça donne des ressources à Caps. Je pense qu'on ne crache pas dessus. Du côté des G2. Oh. Et Faker qui continue son push. Oh que c'était smooth ce duel, hein. On s'est réveillé tôt pour ça, très tôt. On s'est réveillé tôt pour ce genre d'interaction. Attention, Flakhead encore une fois qui prend tellement de pression, Faker sur l'Aphelios en permanence. Ouais, la BT n'est jamais arrivée aussi vite. Hein. Aïe. Et une nouvelle tourelle pour T1. Bon, Broken Blade va faire aussi le boulot à peine, bon. Broken Blade. Il va vite, il a le démolish, le fameux. You know the way, Bibi. Droit vers le Nexus. On va le revoir, c'est un V1. Alors déjà que le charme passe, c'était vraiment c'est tout ce qu'il fallait parce qu'il aurait dû le charme. C'est pas faux. Et derrière Caps, cette assaut spirituel qui fait pas de dégâts. Ici. Juste ici. Ah, c'est
Ah, il fallait être de l'autre côté, hein. Ah, Cap the Faker. Oh. On touche, on met absolument tout. Faker qui prend un burst absolument monumental, qui essaye de se retourner, mais Targamas est là pour fermer la porte. Targamas, le solo kill sur Faker. Targamas, vas-y, prends-le. Prends-le, bébé. Il est pour toi. Boum. Solo kill de Targamas sur Faker. Alors, il y a une assist de non, Cap. Non, ouais, solo kill, arrête. Solo kill, bien sûr. Pour Targou. Est-ce que c'est une bonne chose après, mais... Pas sûr. Pas sûr. Après, flash de Leblanc au moins. Ça fait avancer le Solari. C'est vrai. Avancer le Solari et surtout, ça prend le flash de Faker, ce qui est très important. Bon, Jundek est très sur la carte, qui va encore prendre une T1. Par contre, il ne faut pas laisser tomber la T2 sur la botlane et il ne faut pas non plus se faire dive du côté de Cap, parce qu'on est en embuscade, j'ai l'impression, pour Kyria. Allez, Bibi qui trace la route. Les T1 qui vont... Hard reset ou rester et maintenir la pression. Off lagged. Bon scouting. Les G2 qui commencent à être suffisamment parano pour anticiper les multiples pièges de T1. Et surtout, malgré le différentiel sur la carte de Tourelle, les gold, ça va. Exactement, en termes de gold, ils sont pas tant devant que ça. Du côté de la quête, on a du retard, certes. Mais tant qu'il n'y a pas les 3 items sur Gomayushi, ça va. Faudra juste réussir à contrôler Zeus avec son Yone, mais je pense que Broken Blade en est capable au vu du stuff qu'il a. Ce Sion peut tanker le monde sur ce timing et c'est le moment où G2 est peut-être plus fort en regroupement. Je sais pas trop comment tu t'es mise en tant que Yone pour affronter ce genre de colosse. Évidemment, Dominique n'est normalement pas une option. Je sais pas comment il va faire pour le passer. Mais bon, le Dominique est sur Gouma, hein, donc on a toujours des armes. Caps qui a deux items aussi, hein. Deux items sur Broken Blade et sur Caps. On voit les G2 de suite, c'est le signe du go. On se regroupe sur la mid lane. Le problème, c'est que la Xayah qui est devant en termes de dépush, je vois pas comment on l'empêche de détruire ses waves mid lane facilement. Il y a une porte de la montagne, mais elle doit être utilisée avec parcimonie. On est c'est pas ouf, ça, hein. Autour de ce dragon. Du coup, il y a une T2 top qui sourit un petit peu à Zeus. Et T1 qui ignore totalement cet objectif. Ils sont vus, hein. Faker est vu ici. Faker qui va peut-être go in sur Targamas qui se défend bien. Et Caps qui va en effet essayer de défendre sous la T2 face au Yone, je pense qu'il en est capable. Et d'ailleurs, il prend ses responsabilités. Le taunted dodge, on se repositionne. On prend cher quand même. L'engage sur Gouma, c'est pas trop mal. Gouma aussi qui se repositionne extrêmement bien. L'envolée de plume, peut-être un peu tôt. Et non, et finalement, il s'est repositionné absolument pixel parfait. Bianco, ça a loupé son ultimate. Malheureusement, Gouma aussi n'est pas passé loin du clutch. Les G2 sont encore en vie, mais ils sont du mauvais côté de la carte. Attention à Faker, on va falloir temporiser ici. On arrive à se repositionner pour le moment du côté des G2. Oh que c'est dur. Téléportation de Caps peut-être. Et il a pas d'ultimate. Est-ce que vraiment il peut aider ses coéquipiers ici? Oh, Blade spécial Faker qui se fait sécher par Flakhead. Quelle lecture de jeu fantastique et l'arrivée de Caps maintenant. Il a pas d'ultimate, mais il a un Everfrost, il a un charme et il est plein d'espoir. Il le force à flash out. Est-ce qu'on peut prendre des objectifs maintenant pour H2? Est-ce qu'on peut tenter un Baron Nashor? Ça semble difficile, on pourra pas non plus prendre la T1. Ouais. Donc on prend des kills, c'est pas mal, mais c'est pas encore fait. Oh, le Sion flip Q spell. Celui-là, il passe rarement quand il passe. Il passe rarement, mais en plus, il passe sur la Leblanc de Faker. Ah, mais moi je veux voir Bibi sur des tanks, hein. Sur Sion et sur Horn, tout le PO. Ah, le Sion est plutôt pas mal, on va voir ce qu'il vaut là d'ailleurs, c'est une bonne occasion. Il y a Flakhead qui arrive, hein. Donc Zeus. Je crois qu'il tank, hein. Je pense qu'il tank aussi. Comme un Chad. Et Flakhead arrive, donc oula, Zeus a peut-être tout, ça loupe tout, ça loupe tout. L'ultimate est là, hein, pour Broken Blade. Zeus qui tente le 1v1, Flakhead est en train de back pendant ce temps là. Honnêtement, il a pas l'air en danger, hein. Non, du tout. Solo AP Leblanc. Par contre, Gomel aussi. Ses mouvements, c'est indécent. Ce qui fait. J'ai cru qu'il avait ulti trop tôt, par contre. Ça a failli, en effet. Mais là. Là, Yorkos. Le dodge de l'ulti. Après, c'est Igor aussi qui revient vers l'avant, il joue bien aussi. Je suis d'accord, mais étant donné qu'il a plus rien, tu peux juste R sur lui, quoi. Ouais, mais vraiment, il y a bien joué. Et là, magnifique, Broken Blade, l'anticipation sur Faker, fallait avoir celle-ci. Il avait pas la vision, hein. C'est magnifique. C'était soit lui, soit Yone. Et la dernière auto-attaque qui avait déjà été taguée. Il aimait extrêmement bien. Dommage, parce que s'il y a ce kill qui passe sur Honor, il y a Baron Nashor. Très bon flash de Honor. Très très bon. Caps est niveau 14, il est très bien dans le match.
Il fait très 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 mal, Caps. Par contre, je viens de voir un item sur Zeus. Ça va être dur de le tuer avec la DD, ouais. Mort. Ouais. ODD. On a la BT hein, aussi sur Flakhead, hein, donc il va beaucoup mieux se porter contre la Leblanc de Faker. Et Targamas a un peu d'XP d'avance, beaucoup de gold surtout d'avance, c'est une stopwatch. Mm-hmm. Donc encore un timing teamfight intéressant pour les G2. Pas trop mal. Hein. Le problème c'est qu'il y a 3 items pour Kuma. Et donc forcer sur la mid lane, toujours le... tant qu'il n'arrive pas à prendre cette T1 G2, on pourra pas avancer dans cette game. Et tant que Gouma est devant cette tourelle, elle ne devrait pas tomber. Ah, ça va jouer les resets, ça va jouer la vision. Petit avantage pour G2 qui a 2 dragons, ce qui peut être intéressant. Maintenant, c'est une map des nuages. Toujours ça de prix, mais c'est pas Game Breaker. Très agressif sur les camps, les T1. Kyria en embuscade. Kyria qui pourra avoir un petit banger. Hein. Le banger. Le manga sur Targamas. C'est peut-être bien pour G2. Il se repositionne. Targamas, non, il a pas le temps. Il est complètement lock. Il a une stopwatch. Mais il devrait logiquement tomber. Récupéré par Faker. Qu'est-ce qui se passe ailleurs sur la carte? Où est Bibi? La stopwatch qui vient un petit peu tard. Et la porte de la montagne qui n'était pas tournée vers Goumayoussi. Du coup, les plumes sont passées. Du coup, il s'est fait route. Et il a pris trop de dégâts. C'est dommage parce que dans l'idée, T1 qui mettait des ressources sur un Braum, ça aurait pu être un gage teamfight confortable pour les G2. Mais on n'avait pas le Sion 2 présent. Hard reset, map des nuages. On dirait que ça intéresse les deux équipes cette fois-ci. Et pas seulement les G2. Si on en croit le déplacement, bien sûr, de Honor. Mm-hmm. On a repéré Caps avec cette zombie ward. Information très importante. Attention à ne pas oublier le baron Nashor tout de même du côté G2. Qui est scouté au moment où tu le mentionnes. Comme toujours, la priomide et après l'objectif. Oh, et peut-être un catch. Ah, c'était bien pensé, mais Zeus tombera pas dans le panneau. Et du coup, Caps a pas reset, je me demande s'il a pas quand même pas mal de gold. Cette pink ward ne contre pas la zombie. Et forcément, les T1 qui veulent jouer au jeu du Baron Nashor et qui vont forcer les G2 à commit sur eux, comme aussi l'engage directement d'ailleurs. C'est autoritaire, ça veut pas forcément dire qu'ils vont aller au bout. Ça veut juste dire qu'ils les emmènent sur leur vision dans une wave mid lane qui n'est pas forcément bien défendue. Pas forcément bien contesté. La quête a les bonnes armes. Tout à fait. Encore une fois, ce baron va être pull instantanément. Et encore c'est loin. Et encore c'est très très loin. Ils pourraient tenter de le finir, les T1. Est-ce qu'ils ont le DPS? Je ne crois pas. Ils n'ont absolument pas le DPS. Kyria sur cap, ça peut faire tellement mal, mais il est vu. Allez, c'est scouté, c'est complètement scouté. Mais malgré tout, le setup est excellent. Caps qui se fait instantanément des pop. Est-ce qu'on peut quand même tenter de sauver le Flakhead? Flakhead, surveillez Flakhead. Flakhead fait beaucoup de dégâts, Flakhead il a les bonnes armes, Flakhead qui tente. Oh le repositionnement de Gouma aussi est parfait, qu'on veut dire à Pouba dans de Gouma, et encore qui essaie de faire un énorme boulot, mais il n'a pas de reset pour le moment. Pour que Nen dedans, il est tanky, il est dans la mêlée, mais il reste Zeus qui met un double buff parfait. On se repositionne pour les T1, on enchaîne pour Honor, et c'est l'ace en faveur des Coréens. Ils ont appris, Tréton, ils ont appris. Ils ne font plus des random Nash, mais maintenant, ce sont des pièges. Des pièges extrêmement angoissants. Ont-ils volontairement int leur Baron Nashor de Rumble Stage pour conditionner les équipes? Est-ce que Goumayoussi a volontairement int les games aussi? Parce que quand je le vois pour sur Xayah, conditionner les équipes. Sur Xayah, il est trop fort. Faut arrêter de laisser ce champion ce qu'il fait dans ce teamfight. Le repositionnement sur Flakhead. Oh, c'est beaucoup. Hein. Parce que Flakhead avait un angle de V9 de fight. Bien vu, Caps. C'est trop tard. Juste trop tard, mais très bien vu. La Flakhead fait beaucoup de dégâts, on arrive à prendre un reset rapidement sur Kyria du côté d'Yankos, du coup il a son fight qui est plutôt bon. Zeus est un petit peu bloqué, et là c'est Goumayoussi. Ah, Goumayoussi qui clutch. Parce que s'il n'y a pas ça, oh là là, Yankos, Yankos chope le reset sur Gouma par exemple, le fight est pour les G2. Je suis bien d'accord. Parce que là Leblanc était AFK, une fois que Leblanc a balancé son burst, c'est la forme de Slibar, hein, tout simplement, Tréton. Et le burst est tombé et à one tap caps. C'était vraiment le résultat rêvé pour les T1. Et là, bon. Je sais que le chat va spammer 0. Elle. Mais bon, c'est pas de sa faute. Hein. L'ulti Nautilus était vraiment pixé. Et dans le langage de Kyria est parfaite, tout simplement. Maintenant, il a un Sonia pour le contrer caps. Ce qui va un petit peu l'aider. Il y a la game. Rabadon sur Faker. Rabadon sur Faker et Komoyosi est pas en dieu. C'est vrai.
crash d'effet, Tréton. Donc c'est un Yone noyeux au passage. C'est vrai. Bah, un Yone a plus de frontline en fait. Tout simplement. Il a compris qu'il allait one-tap pas grand monde, parce que de toute façon il y aurait Bro mais sur en permanence devant lui. Tu vas faire 8 scènes, pépouze, j'ai l'impression. Tout simplement, T1 essaie d'acheter du temps dans les fights à la Xayah. Et Faker lui doit trouver un assassinat si possible. Mais c'est vraiment la Xayah qui est le point important de leur draft. Et quand tu regardes, en réalité, G2 pour aller la chercher. Ah, s'il n'y a pas cap, s'il n'y a personne. 4 items, Tréton, 4 items activés. Ça fait beaucoup d'objets. Beaucoup, beaucoup d'objets. On va voir si G2 est capable de trouver un petit miracle en teamfight, c'est pas impossible, ils ont la compo pour. Ça repose quand même sur un outplay sur la Leblanc, je pense que c'est la première condition. Genre celui-ci par exemple. Genre celui-ci, Caps qui va tout donner sur Faker, Faker qui prend beaucoup de dégâts, est-ce que le plus va connecter? Malheureusement c'est le clone. Oh, mais il y va, mais le Solari Le Solari de Kyria, il est partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en sous-sol. Et Faker, il loupe rien. Qui s'en sort à pixel HP, maintenant pour les T1, c'est le go-in. On a les 4 items sur l'Axaï, on a aussi les items sur Tos qui met tellement de dégâts, Yonkos qui ne peut pas bouger. Oh, le menu Makione qui est servi au G2, tandis que Broken Blade s'interpose face à Gouma Yussi. Ah, Gouma Yussi, c'est lui qui se retourne et c'est lui qui va forcer le flash du tank. Il a plus de points de vie, hein. Targamas ne peut pas faire grand chose, Flaquette lui n'a pas de flash non plus. Il doit reculer. Caps qui va respawn dans 15 secondes, c'est probablement 2 inhibiteurs pour les T1. Très certainement, oui. Est-ce qu'il y a une forme de grid? Non, il n'y a pas de portail extech. Il y a un TP sur Caps. Ah, mais il n'y a pas de ward derrière, il y a 0 ward. Il n'y en a pas une à droite ou c'est juste une tête de mort? Il n'y a rien du tout. C'est une tête de mort, très bien. On ne voit rien sur la carte quand on est G2 actuellement. C'était tellement close. Tellement close, mais c'est exactement ce genre de move qui peut permettre de clutch pour G2. Ah, il a raison de tenter et puis vraiment tellement pas loin de passer que limite chapeau à lui d'avoir au passage predict l'Everfrost, c'était stylé. Sur le de fou. Mais c'est le clone. Bah, le mind game entre les deux. Parce qu'il est predict hein, cet Everfrost et le clone de Faker très très bien positionné. Et là le Solari. Franchement JP et la potion évidemment. Tout oui. Va, le filtre de chrono distorsion. Mais c'est le Solari qui le sauve. Comme quoi les Solaris sont partout même au MSI. C'est bien vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment off tank hein, son build à Zeus. T'as vu hein, c'est un dé, il a tellement. Mais là il est quasiment invincible. Il est niveau 17 en plus en termes d'expérience. On voit les deux solo laners de T1 qui ont skyrocket maintenant. Ah, pendant que Bibi essaye de faire valoir ses points de vie, de l'autre côté ça slay, comme dirait Marex. Ça slay du mignon. Il doit attendre tout simplement patiemment. Le flet proactif, oh. À part avec oh non, des prédicts court. De Broken Deck qui était pas long encore une fois. Oh c'est trop court malheureusement. Après ils auraient pas eu la vision donc. Mais il est. Broken Deck est malin hein. Tu sens que. Il y a du... Tu sens qu'il est abonné à The Boss FFS hein. Bon pendant ce temps là bien sûr le top side difficile à tenir. On tente le one tap pour Faker. Quel superbe sidestep. Parce que sinon il se faisait linker je pense hein. Très probablement flaqué de dépush, mais il a pas les meilleures armes pour dépush avec Aphelios, il est en difficulté sous la tourelle. Et la tourelle, elle a pris 2 tier life instantanément. Tout à fait, et encore une fois, c'est en train de péter juste au-dessus. Avec Zeus qui va récupérer l'inhibiteur, il faut aller au bout pour les G2, il faut faire quelque chose. On est en train de perdre absolument tout, la grenade SM est colossale, les plumes sont là pour le complètement kick. Bloquer Caps qui se fait kick et raccompagner à sa fontaine. Les T1 se déchaînent. Cours, fuis, Broken Blade. Nexus, baby. Targamas laisse Faker, le deuxième 1v1 de cette game entre les deux joueurs. Targamas qui tente, Faker qui s'amuse un petit peu et les T1 qui vont conclure le match. Oh oh, Targamas va-t-il résister? Oh non, et non, oh il tombe juste à la fin de la main du GOAT. Puis comme ça, en un clin d'œil, c'est 2-0 pour T1 et deux plans de jeu bien différents côté G2. Oui. Qui sont passés à la trappe, Tréton. Sauf que cette draft-là, elle était très encourageante pour G2 de par le playstyle qu'ils ont, de par leur manière de jouer dans ce tournoi. C'était, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils étaient pas trop mal en mid-game, mais le Baron Nashor et T1 a été bien géré. Mm-hmm. Et il y a un problème en botlane, il y a un problème Gouma Yussi. Un problème de Xayah, notamment. Parce que même dans le 2v2, ils ont un 2v2 qui part pas si bien que ça, avec Kyria qui a pas de flash. C'est eux qui font craquer les summoners de G2. Mm-hmm. Dès le 2v2, ils sont un petit peu devant.
sur la top end, c'était un non-facteur un petit peu des deux côtés. On s'était bien nullifié, c'était pas mal. Pas mal au final, comme réponse. On est plutôt satisfait, je pense, de ce bilan côté G2. On est même très content. Et puis je pense que le match-up Harry Leblanc, c'est ce qu'on veut aussi sur la mid lane du côté de G2. Faut garder ça. Viego Lessine, c'est pas forcément un problème. Après, c'est des petits ajustements dans la game et peut-être essayer de prendre la Xayah de son côté ou la ban en seconde rotation, ne pas la laisser open. On va pouvoir faire des ajustements et un petit peu dans la même lignée que cette game, puisque les G2, ayant perdu cette game numéro 2, ont encore le choix du side. Blue side, c'est sûr. Et donc, c'est blue side automatiquement. On ajuste la Xayah et on doit avoir, logiquement, une game tout à fait prometteuse. Alors après, comment l'ajuster? Ça, ce sera à eux, bien sûr, de se dépatouiller. Mais les bans étaient plutôt bien amenés. Alors, si les T1 ne changent rien aussi avec le ban de Horn, etc., on devrait pouvoir partir sur exactement le même modèle de draft. Les trois premiers picks peuvent être absolument les mêmes et je pense que c'est plutôt favorable à G2. Très bien. Eh bien, on va en discuter également avec notre plateau d'analyse, Chips Noir et Duke. Messieurs, c'est à vous. 2-0 en faveur de T1, mais un match 2 beaucoup plus accroché du côté des G2. On s'est bien battu, on passe en Bloussa et c'est vrai que ça rebat de façon conséquente les choses finalement, Duke. On a eu beaucoup de changements, la Harry dans les mains de Kass, on s'est retrouvé face à Leblanc, le match-up un peu traditionnel de la méta qui a été très disputé entre les deux midlaners. Le Sion pour Broken Blade, le refuge du tanking qui a pas trop mal fonctionné. Ouais, c'était pas mal. En vrai, le Sion était bien, il a fait un Q magistral au Blue Buff qui est vraiment signé The Boss. À mon avis, c'est, on sent qu'il y a vraiment un style du Sion européen pour le coup. Mais ce qui est bien là du blue set, c'est qu'on réussit à choper la Harry. Moi, ce que j'aime pas du tout, c'est donner la Xayah à répétition comme ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu la pique dans le sens où les T1 l'ont pas piqué en 1-2, ni en 3 d'ailleurs. Mais de pas avoir Xayah, surtout quand les G2 globalement ils savent qu'ils vont perdre la lane et ils savent que leur seul moyen de gagner, ça va être de trouver un gros team fight dans lequel ils vont snowball. Et le problème, c'est que la Xayah elle stoppe quasiment la moitié de leur tentative de go in. On a vu le nombre de fois où Gumayusi a réussi à dodge. Alors là, au-delà du fait qu'ils ont vraiment gagné la bot lane, mais même le play mid par exemple, où ils se retrouvent à essayer de le dive à 4, et à chaque fois ils se sont un petit peu cassés les dents sur Gumayusi pour ensuite que le reste des T1 viennent eh bien, se repaître de leur corps. Oui, bah, je pense aussi qu'au-delà de la compo, il y a quand même à certains moments du génie mécanique dans les joueurs T1, et du coup on a parlé, mais c'est vrai que Gumayusi, tout ce moment à la mid lane, ou alors ce teamfight où il ulti, l'ulti de Flakhead, il le flash out, il lui fait le rappel de plume, on va le revoir, et il le crucifie dans la foulée. Au bout d'un moment, quand les mecs ils sortent ça sous pression en demi-finale, dans un match en jeu, dans un teamfight ultra clutch, c'est compliqué d'en vouloir à G2 face à ce génie qui sort des doigts de T1. Le match a aussi été assez disputé, notamment à cause de ce moment, Duke, où T1 s'enflamme un peu, la Honor qui troll. Ouais, ça va un peu deep. Là, ça va vraiment deep du côté des T1, mais ils veulent. Je pense qu'il y a un moment, ils se sentent trop devant. On y a presque cru. Et Kass, pardon, qui a vraiment tenté tous les 1v1 et il les a très bien joués, même si en face, ça les jouait très bien aussi. Là, Zeus, ça joue bien du côté de Kass, ça touche le bisou. Mais là, Zeus qui fait un magnifique move pour se mettre dans le dos de Kass et ils meurent tous les deux. Là c'en est un autre qui est plutôt remporté par Kass, même s'il est conclu par Targamas un petit peu en mode game viewer là-dessus sur le flash-in. Ouais. Le truc c'est que aussi par rapport au match-up top Broken Blade contre Zeus, tu sens quand même que on manque énormément de solutions sur la top lane pour savoir comment faire survivre Broken Blade. Là on se retrouve à ban du Gnar, à pic du Sion en blind. Et on se dit comment, à quelle sauce en fait chaque draft. Et la réponse à la question, c'est à quelle sauce Broken Blade va se faire manger par Zeus. Là c'était à la sauce Yone. Ah, incroyable ça. Ce Q magnifique. Magnifique read du côté de Broken Blade ici, tu l'as dit Duke, inspiré sans doute par l'esprit de The Boss. Et j'ai deux quelques moments clutch quand même de leur côté, encore une fois, mais va venir ce fameux teamfight au niveau du Baron. Ce moment, ah non, déjà ce play là, ce play Keria qui relance pas mal le match et après, la domination de T1 sur ce play. On voit quand même que les deux fois où les G2 reviennent, entre guillemets, c'est quand les T1 vont beaucoup trop deep. Ouais. Est-ce que quand ils étaient vraiment mis en danger, ils feraient ça? La magnifique flanking de Keria sur un Nash, mais encore une fois, un Nash red side. Les Nash red side sont beaucoup plus faciles à négocier. Et la Gumayusi qui a été impressionnant, on l'a vu tout à l'heure, tout dodge sous la tour. Là, il est vraiment impérial aussi. Parce que Flakhead sur Steamfight, en vrai, il a un angle. Hein. Si Gumayusi n'a pas les réflexes d'éviter l'ulti à Felios, Gumayusi meurt. Alors oui, il reste Faker qui est full life, mais je pense que le fight est encore jouable. À partir du moment où tout le monde se commit, parce que je pense qu'il faut.
on va se faire mal si on commence à compter le nombre de flashs qui sont partis pour essayer de terminer un Gumayusi qui dodge la totalité des skill shots de G2. C'est insolent, insolent les mouvements de Gumayusi avec sa Xayah. C'est vrai qu'il a l'air en permanence intouchable. En tout cas, si on le touche, c'est au prix de, d'efforts absolument énormes. Mais on n'a pas la solution. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit dans les drafts, il y a deux solutions. Et c'est un peu ce qu'on craignait. On a du mal à trouver une solution au top. Et on a aussi du mal à trouver une solution. C'est Xayah. Alors, le Aphelios de Flaked est loin d'être mauvais, vraiment loin de là. Mais c'est pas vraiment non plus une solution. Et aussi, on aurait peut-être pu voir une. Là, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent. En fait, c'est le 2-3, moi, de G2, que je pense qu'il peut être largement améliorable dans cette draft. Très bien d'avoir First Picari. Mais en 2-3, au lieu de Viego Sion, tu piques Xayah Poppy. Il y avait une belle Poppy dans ce match. Poppy qui empêche, du coup, Lee Sin et Harry. Xayah qui est super bon, super forte en réception, qui est peut-être le meilleur carry AD de la méta à l'heure actuelle quand Lucian est ban. Ça change complètement la game. On est d'accord. Il y avait sans doute une très très bonne Poppy qui a été une réponse, notamment en Corée pendant une bonne partie du split face au Leblanc, Lee Sin, mid jungle. On voyait beaucoup de Poppy qui oblitéraient les games. Donc peut-être pour les G2, une bonne piste à suivre à ce niveau. Blueside choisi par les G2. On va voir s'ils arrivent à résoudre l'équation de la Xayah. Écoutez, on est dos au mur du côté des champions d'Europe, 2-0 en faveur de T1 qui ont 3 balles de match désormais, do or die pour les G2. On se retrouve juste après la pause sur OTP LOL. Nous sommes repartis, mesdames et messieurs, balle de match pour T1 et pas la première en cas de victoire de G2, bien entendu, Duke. Peut-être faisable pour les G2, on a des pistes de leur côté, on en parlait juste avant de rendre l'antenne. Ce pick Xayah notamment, est-ce que c'est le dernier point à résoudre du côté des G2? Ah, je pense que oui, je pense qu'il faut absolument éviter de le donner à Gumayusi. Déjà, ça counter le style de G2, ils ne gagneront que par un fait de jeu énorme, un énorme teamfight, un one shot. S'il y a un pick en face qui nullifie complètement cette stratégie, eh bien ils sont foutus. Un first pick Harry, un 2-3 Xayah au moins, et moi je disais Poppy la dernière fois. Le problème, c'est que les T1, en fait, si les T1 voient ça arriver, voient que c'est leur seul risque, et je pense qu'ils peuvent le faire, eh bien ils 1-2 par exemple Xayah ici, et là c'est compliqué. Ouais. Surtout qu'ils s'en foutent. En fait, le risque de ne pas répondre à la mid lane instantanément, c'est ensuite que ça blind pick la top lane et que tu dois répondre à la mid lane et à la top lane en 3 sous peine de te faire ban un des deux. Mais vu le nombre de réponses qu'ils ont au pick de Broken Blade, je pense qu'ils s'en fichent complètement. Ouais, c'est vrai que quand on a vu ce Yone, oh là, Leblanc qui est ban par les G2, et là, on va peut-être forcer ce ban Harry. Absolument, ça libère le Horn pour Broken Blade. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit obligé de le first pick, il devrait pick. Du coup, la Nocturne qui est là. Mais non, mais pick Nocturne quand Xayah est open. Je sais pas. Ouais. Pour moi, ça pique un instant de Xayah normalement. Alors. Pas de TF en tout cas dans cette game du côté des T1 avec un Nocturne. Ouais, c'est toujours pénible. Toujours pénible pour TF. Après, il y a plein de plus. Bah oui, c'est sûr. Quoi. Mais ouais, la Xayah, elle est là de nouveau pour les G2. Et Gumayusi a été immense sur sa Xayah. En fight notamment, il a fait des... Il nous a sorti quelques plays absolument illégaux. Ça, pour le coup, bon. Et du coup, est-ce qu'on pique la jungle directement pour... On pourrait pique le Rakan aussi, parce qu'on sait que c'est très fort contre... Enfin, c'est un champion très prisé par Targamas. Et sinon on pique la jungle tranquillement avec le Lee Sin, pourquoi pas contre Nocturne. Alors G2 du coup là bah, ils vont pique le Horn forcément. MF, fortune. J'en parlais okay. Tout à l'heure MF, je pense que c'est le meilleur choix qu'ils peuvent faire. Faut pas Aphelios en game 1, je demandais déjà la MF, même si je préférais avec le Jarvan. Je pense que ce pique Nocturne est vraiment pas terrible a priori. S'il y avait un Jarvan, ça serait pas mal, mais bon, tant pis. Et du coup, les T1 en 3, soit ils répondent directement au Horn, soit
Alors ils peuvent pick un. Alors, le Brome, je suis pas convaincu que le pick Sito, même si c'est bien contre Horn. Et la Renata qui a l'avantage d'être vraiment excellente pour counter justement le. Et bien les engage. Et là on a une Xayah Renata. Peut-être le meilleur cocktail pour contrer et bien les compos hard engage à la G2. Ouais, deuxième phase de ban à venir, les T1. On va se concentrer peut-être sur des bans support. Ban Rakan Nautilus, je pense. Ouais, ouais. Rakan Nautilus et les G2. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ban? Est-ce qu'ils veulent la top ban lane encore? Ouais. Bah, je pense à moins. Moi qui ai en tête un pick mid spécifique et qui veuille empêcher le counter pick, mais sinon ils peuvent ban le Aatrox, le Yone, le Gnar. Le Gnar, je pense qu'ils vont ban. Ils avaient ban Gnar tout à l'heure contre Sion. Le Yone qui est retiré. Alors, en 4. Donc les Tuanas, je pense qu'ils vont ban Nautilus. Est-ce que les. Ouais, Nautilus. Et du coup, le G2, bah, le Gnar a priori. Aatrox en vrai est pas dégueu non plus dans cette game, a priori pour, ouais. Pour les T1. Mais Aatrox contre Horn, je trouve ça pas très très rentable. Ouais, disons sur une série de sweet spots, le Horn peut vraiment se retrouver dans le dur en 1v1. C'est le Kennen. Ah ouais. Alors je me demande, c'est pas pour donner le Gnar et piquer un Sylas en blind du côté G2, c'est ce que je suis en train de me dire. Pas ban le Gnar pour pick Sylas en blind mid, alors même si le Cap c'est à l'aise avec ce, genre, avec ce champion. Et quand t'as l'ulti possible de Gnar avec Sylas, c'est vraiment OP. Tu peux faire des trucs de fou, ouais. Ouais. Honnêtement, pourquoi pas, pourquoi pas. Par les cheveux, mais peut-être le coup de poker du côté des G2, ou alors on décide de partir sur. Je sais pas. Un mage mid. Il a une grosse. Ah, Zoé. Zoé, pourquoi pas. Hein. Okay. Pourquoi pas, c'est un champion qui crée du jeu, qui peut lui permettre de prendre la main sur la partie. Alors, une Leona peut-être pour Targa. Un Galio, éventuellement. Même si je suis pas fan du combo avec Nocturne. C'est lui, il part sur une Karma en mode push de lane et ça va pas forcément avec le reste de la composition. Ouais. Le Pike. Pourquoi ouais. pas. Il a sorti contre Renata, parce qu'il a pas été très en réussite, honnêtement, sur son Pike. Ça a pas beaucoup connecté. Et la Karma, ouais, ok. Ah, donc grosse pression de lane au bot pour les G2 à grand coup de E de Miss Fortune. Alors je sais pas si. Non, il va pas jouer Comet, je pense que. Ah, on est vraiment sur un plan très clair, un mid to bot. Ouais. C'est très bien, très très bien. Avec un gros teamfight pour les G2. Dommage que à partir du niveau 6, t'es un outil Xayah, quoi. Bref, bon, du coup, le pick mid pour Kerry. Oula, pour Faker. Oh, ya 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 ya. La Akali. Oh, la Akali. La Akali qui peut faire mal là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'il peut. Alors en fait, on va presser du côté des G2 pour engage. Sauf que Zoé et Mev vont essayer de venir de rejoindre le fight. Et entre eux et la frontline, il y aura une Akali. Et cette Akali, il faut pas qu'elle soit fed. Sinon, elle va aller laver toute la backline. Surtout que des G2. Akali avec Renata, tu peux te permettre vraiment c'est d'aller vrai. Deep et de trade kill. Mais bien sûr, c'est à l'avantage de la Akali qui aura le reste de la Renata. Donc pour Akali, tu peux prendre des risques vraiment dingues avec le pick Renata à côté de toi. Ouais. Ah, c'est une bonne Akali là. Après, il y a même... Karma, bon. Il y a une draft. Il hein. y a une draft. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, il y a ce problème Xayah. Mais il y a un plan early game qui peut être. Normalement, la Zoé devrait dominer la mid lane. La bot lane des G2 devrait être largement devant en termes de push. On peut jouer le mid to bot. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de setup. C'est le problème des lanes avec Karma. C'est que. T'as le push, mais pour de là à dive, comme t'as pas de CC, t'es pas tanky. C'est pas si évident. Après, tu peux prendre l'aggro à distance avec ton Q-spell, t'as ton shield pour tempo. Donc c'est pas injouable non plus. Mais c'est vrai que là, sur le papier, on se dit que G2 devrait avoir deux lanes gagnantes. C'est ça. Donc. C'est ça. Là, les G2, ils doivent mettre du rythme en début de partie. Parce que bon, Broken Blade de son côté, il va devoir faire le dos rond. Il est en tank duty contre Zeus. Je pense qu'on a accepté qu'on était dans le dur en 1v1. Et on s'est rangé du côté des tanks. Pas d'ego du côté de Broken Blade. Ouais. Une belle vocation que celle de joueur de tank. Ouais. On aime les tanks ici. On aime les tanks du côté de G2. Ce sont des champions qui leur ont beaucoup réussi. Écoutez, mesdames et messieurs, 2-0 en faveur des T1. Mais les G2 qui ont un plan dans ce match, ça va notamment commencer par un Caps qui doit être extrêmement dominant sur Faker avec sa Zoe Ignite Electrocute.
Alors, le problème, c'est qu'il a un Nocturne Jungle contre un Lee Sin. Alors, Nocturne, c'est très bon quand ça se bat, mais tu passes rarement gank la mid lane avec Nocturne. Éventuellement, il faut qu'il prenne de la vision, il faut que Yankos se focus sur la prise de vision, il faut que Targamas et Yankos jouent bien ensemble. Après, le Nocturne en pur 1v1 contre Lee Sin, s'il se rencontre dans la river, il gagne. Mais bon, attention au gank d'un Lee Sin et puis au niveau 6 de Akali. Yankos, on va aller poser de la vision au nez à la barbe de Honor, au red buff donc. C'est repéré par les T1. Zaya, elle me fait peur. Chips, elle me fait très très peur. Mais il va y avoir du push. Alors, on parlait des comètes, c'est comète aérie, bot lane. Ouais. Un peu toxique la botlane G2 quand même. Très très toxique, ouais. On se posait la question, comment va être jouée cette MF, et donc a priori c'est une MF létalité avec la comète. En vrai, là, elle se défend. Elle a l'air bien. Elle a l'air bien. On a vu un pick MF du coup des IG hier où on avait plus de questions sur ce pick. C'est vrai. On disait qu'elle allait se faire one shot. Mais Danis en était bien tiré d'ailleurs. Ça n'était pas mal tiré. Mais il avait joué crit du coup. Oui. Oui, complètement. Il avait. Bah, il sentait qu'il aurait pas de très bon setup d'ulti. Ce qu'il a réussi à trouver d'ailleurs. Ouais. Malgré tout. Mais là, ce sera bien une létalité et ça se défend. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du bot? Oh là, Flaquette qui a déjà pris beaucoup de dégâts. Goumé aussi et Flaquette qui ont payé au niveau de leur barre de vie. Mais les T1 qui semblent avoir l'avantage pour l'instant et qui pourraient passer le niveau 2 avant Targu et Flaquette. C'est bizarre quand même, c'est pas les étonnant, 2. Étonnant. Alors, je suis pas nécessaire, on demandera à Tréton qui est expert des match-up bot lane. Ouais. Mais pour moi, Karma et MF qui commencent avec la pluie de balles, ça devrait prendre au niveau 2 le flash in de Karia. Oh, et Targamas le flash out directement. Grosse pression de la part de T1. Alors qu'une des grosses conditions de victoire de G2 est bien entendu cette domination bot lane. Ouais, après on a réussi à tempo là-dessus. Flash pour flash, l'arrivée du Nocturne de Yankos. Hein. Le cheese gank de Yankos, il a pas fait son red buff. L2. Karia est mort. Karia est mort. Karia est mort. Ah, il est loin, hein. Il a bien vu Karia. Karia, il a bien sorti le coup. Goumé aussi va devoir flash out. Ouais, bon. Karia, j'avoue qu'il a bien senti le coup. Si on avait été juste un petit peu plus concentré sur la wave pour les T1, Yankos trouvait son angle de gank, mais tout de même, plus de flash pour la botlane T1. Ouais, mais ils ont vu en fait la. C'est aussi ça l'avantage de dominer autant, je pense. Et puis la ward au Raptor. La ward au Raptor posée par Faker, je pense. Il y avait ça. Ils ont ping qui était a priori au red buff. Mais je pense que le fait que d'un coup les deux joueurs G2 qui font que reculer depuis tout à l'heure s'étaient mis à s'avancer. Alors certes sur le level 2, mais quand même, je pense que ça leur a vraiment mis la puce à l'oreille, hein, au T1. Ouais, sans doute. Je pense qu'il y a aussi un ascendant peut-être psychologique dans ce match-up à force de l'avoir tant dominé. Que du coup ils peuvent beaucoup plus facilement lire les intentions de leurs adversaires, les T1. La dernière auto que vient de poser Zeus sur Broken Blade fait très mal. Je crois qu'elle proc le 3 stack. Le Horn est un peu dans le dur là, bah, tout de suite. Horn contre c'est dur. Bernard. C'est dur. Après, il y a le passage niveau 6 avec le spellbook, avec Ignite. Il est en spellbook d'ailleurs, j'ai pas regardé. J'avoue que j'ai un doute, mais s'il est pas en spellbook, c'est un troller. Ouais. Mais s'il est en spellbook, effectivement, ulti Ignite, en plus avec Nocturne. C'est l'avantage des picks avec tank avec Nocturne top, c'est que tu peux tuer quasiment n'importe quel top laner. Enfin, flash ou pas flash, c'est juste qu'il faut du coup claquer les deux ultis. Mais si le Nocturne n'a pas grand chose à faire, aller tuer le top laner, c'est vraiment un mag drive. T'arrives, tu mets Prester de Horn, le Gnar doit flash out, ulti de Nocturne. Donc à moins qu'il y ait une transformation en méga dans le timing, c'est qui l'assurer. C'est sûr. Et ça permet de feed le Nocturne et du coup de lui donner pas mal de dégâts. Surtout que normalement, en tant que top laner, même si tu veux essayer de te prévenir, la meilleure situation pour te prévenir de ça, c'est essayer de poser une ward, notamment au niveau de la corniche dans la situation. Mais le problème, c'est que s'il vient par la lane, bah ça tu peux pas vraiment faire quoi que ce soit. Ou par la river, enfin c'est impossible de réellement. Tu peux essayer de prévoir le cas le plus probable. Je pense que le mieux c'est corniche et river, mais du coup ça laisse une option par la lane. Ouais. En fait non, même le mieux à vrai dire c'est quelque chose comme blue buff ou entre le blue buff et les wolves. Ouais ouais. Aller voir très très deep. Plus t'es deep, plus t'as l'info en amont. Et plus tu te dis, ok, là, il faut que je joue juste safe parce que parce qu'après, tu risques de te faire ulti dans la prochaine minute et t'attends de le revoir partir de son côté de la map. Mais le mieux est de ward séquence. C'est un peu comme quand tu joues contre une Evelynn, par exemple, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et du coup, la petite pause. Allez, on y croit dans cette game.
On y croit. Ouais, G2, faut rester dedans, même si la situation bot fait déjà assez mal au plan de jeu des G2. Et là, bon, il n'y a plus de flash pour la botlane T1, mais en même temps, le Nocturne doit cycler ses camps. Donc, est-ce qu'il va pouvoir refaire un passage rapidement ? Non, ce qu'il faut, c'est que la Zoé vienne. Ouais. C'est-à-dire que c'est la Zoé qui a la prio sur la midlane, c'est la Zoé qui a du CC pour venir. Tu vois, si. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de ward normalement sur le timing, je crois 3 minutes. Normalement, il n'y a plus de ward botlane. Tu arrives avec un décalage de caps. Peut-être moyen de faire quelque chose. Hein. Une bulle qui touche, c'est kill. Ouais, ouais, complètement. Et une botlane. Et si tu tombes derrière contre la botlane des G2, c'est une botlane qui a énormément de push, qui est très oppressante et derrière qui va pouvoir potentiellement être baladée pour essayer d'aller jouer les objectifs. On peut imaginer un swap Herald parce que le problème c'est qu'avec le match-up Horn contre Gnar, pour aller jouer le Herald il faut ramener des dégâts. Alors, il y aura l'ulti du Horn en espérant qu'il ne l'ait pas claqué à ce moment-là. Oui, mais la barre du méga de Zeus sera très importante aussi sur ce timing. On verra comment il va négocier ça, le jeune top laner des T1. Et on a un problème de périphérique du côté de Gouma Youssi. Il comprend pas, ils ont pas pris le kill sur leur agression au passage niveau 2. Il dit ouais, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours 3 personnes sur ma lane, il y a un bug sur mon écran. Ouais. Gouma Youssi qui commence aussi à avoir des fans. Ça m'étonne pas. En même temps, il fait un très gros début de carrière pour l'instant, Gouma Youssi. Ouais. Qui vient d'une famille très gifted. Je crois que chaque membre de sa famille est pro player. Ah, c'est le cousin de Faker, c'est le petit frère de Innovation. D'Innovation, un des très grands joueurs de StarCraft 2. Et en parlant de famille, voilà le père de Caps, toujours au poste. Et l'air de rien, G2 qui ont leur petite popularité en Corée. Ah, ouais. Non, c'est vrai que les. Bah, plus que les RNG, en tout cas. Oui, ouais, c'est pas trop difficile. Je pense qu'à peu près n'importe quelle équipe de Sebasta est plus populaire que RNG à Busan. Mais effectivement, bah, les G2, ils commencent un petit peu. Ils commencent même plus qu'un petit peu, ils commencent carrément à être une grosse écurie à l'international. Et respectée, même en Corée. Ouais. Mais à juste titre. Complètement. Et Zeus donc, Zeus contre lequel on n'arrive pas à trouver de véritable solution du côté des G2, même si ça fait deux games là qu'on arrive à trouver un match-up avec un tank pour Broken Blade, on va voir si ça finit par payer. Ouais, bah, il est obligé de se réfugier là-dessus, Broken Blade, mais la question c'est à quel point il tient et à quel point on réussit à faire sauter le verrou de la Xayah botlane du côté des T1, parce que là les G2, il faut qu'ils accélèrent un petit peu. Ce qui me gêne un peu, c'est que en fait, c'est le pic nocturne et la pic Xayah, les deux ne vont pas. Notamment le mid-jungle qui doit mettre du rythme du côté des G2 avec un nocturne, c'est pas forcément le meilleur combo. Quoi. À limite, on aurait préféré un Xin ou un Voli histoire de. C'est ça. Histoire d'attaquer vraiment leur lit. Là, tu first pick Xayah, il pique Lee Sin, tu piques Voli, ouais. Même Poppy, j'aurais préféré. Mais bon, ils ont fait le choix. Ils privilégient pas la Xayah. Pourtant, c'était les premiers à vraiment jouer Xayah létalité pendant les playoffs. Oui, c'est vrai que ça a été les premiers à vraiment s'installer sur ce pic. Mais maintenant, on préfère jouer contre Xayah, ce qui est assez étonnant. Je serais curieux de voir le win rate de Xayah. D'ailleurs, je vais aller regarder sur la compétition, mais ça doit être assez haut. C'est un champion qui, en tout cas, là, disons que à vue, j'aurais tendance à dire que c'est un champion qui cartonne sur ce MSI. Xayah ? Ouais. Ouais, oui. Je vais vous dire ça. Les champions qui cartonnent, c'est Gwen, Gangplank, Harry. Xayah, elle a 75% de win rate en 16 games. Harry, Xayah, ouais. Donc ça fait 12 victoires sur 16, ce qui est assez énorme. Lucian cartonne pas mal aussi. Ouais. À sa façon. Lucian, il a eu 71 games manifestement depuis le début de ce MSI. Il a été ban 68 fois. Il a été joué 3 fois et a gagné toutes ses games. Et Wukong, 68% de win rate. Il y a 68% de win rate pour Wukong, 64% pour Gwen sur 39 games. C'est indécent. Le win rate de Gwen, c'est n'importe quoi. Parce que pour le coup, j'ai. Je regarde des stats de champions depuis très longtemps.
À force, quand tu prépares les drafts, tu regardes beaucoup. Et quand tu as un échantillon de descente, c'est-à-dire qu'on part d'échantillon de descente sur un patch, à partir, je dirais, de au moins, sur des grosses compétitions, pour moi, 25 games. Tu vois. 25 games 20-25 games, c'est, tu peux dire, si la stat est vraiment. En fait, et plus le win rate, plus le nombre de games est fort, plus le win rate a pas besoin d'être énorme pour que ça veuille dire quelque chose. Mais plus de 20-25 games en pro, avec un win rate au-dessus de 60%, voire de 65%, c'est complètement broken. C'est vraiment brokenissime. Et là, on a trois champions qui en ont cette catégorie. Ouais. Et à l'inverse, Viego, 30% de win rate pour 37 picks. Ce que je disais tout à l'heure, je trouvais que le pick était naze. Et ben, ouais. Et ben ça les stats le disent. GP, 63% de win rate. Ça, c'est dingue. On est de retour à l'action, Duke. Et Broken Rate, il va être forcé de TP, manifestement, pendant que la bot lane. Oh là, la bot lane des G2, ils sont vraiment dans le dur. Alors qu'ils se sont fait gank, ils sont obligés de. Ouais, ils ne jouent pas contre Kaya et Goumaï aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'Omid, Caps fait parler son pic Leblanc, Zoé face à la Akali de Faker. Il est devant pour l'instant au niveau du farm. Maintenant, il faut convertir cette priorité. Attention, Honor, au long de sonore, qui connecte sur Flakhead. Cancel le reset. On va forcer Flakhead à rester. On va prendre. Un reset avantageux du côté des T1. Caps qui tente d'accélérer sur Faker. Je sais pas ce que ça a au niveau des cooldowns de Faker. Ouais, la bulle qui est tentée. Peut-être le solo kill ici pour Caps. C'est kill, c'est Faker. Greg. Oh le coup de génie! Oh le coup de génie! Oh non. Oh non. Il a récupéré un flash. Il le sait, Caps. Il faut aller au bon endroit du côté de Caps. Faker qui va continuer de reculer. Oh, c'est terrible. Caps est en chasse. C'est terrible. Faker qui va les suicider. Le coup de génie du côté de Faker. Aïe, 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 aïe. Ça fait tellement mal. C'est un petit peu une humiliation là-dessus. Parce que Caps perd son flash lui aussi. En plus, il va pas faire perdre vraiment beaucoup de farm à Faker. Un petit peu quand même. Un petit peu, parce qu'il a, pendant ce temps-là, il en a perdu quelques-uns. Et là, il s'est fait... il s'est fait vraiment... casser les chevilles. Hein, le coup de génie. Ouais. C'est pas grave, ça reste dominé par Caps ce match-up. Plus de flash pour la Akali, on va revoir pour ceux qui n'ont pas capté le play, hein. Faker, ouais, ouais. Faker qui a fait mine de flash au-dessus de la corniche, bien sûr, en se repositionnement, et là il a flash dans le buisson. Caps n'avait pas la vision, ouais. Ouais, là super bien joué de la part de Faker, et derrière il allait suicider impeccable, même s'il reste loin derrière, hein. Caps qui est largement devant dans son oui, match-up. Oui. Top side, oh là là, oh le cancel ici du côté de Just, le sidestep de Broken Blade est précieux ici. Voilà, on n'était pas lancé, dommage, parce que là Broken Blade il est à rien d'avoir son ultimate. Ouais, et on aurait presque pu, d'ailleurs je me demande si il l'a là-dessus. Ouais, il l'a, il n'y a pas peut-être moyen, non? Ouais, il se dit si Honor est derrière, on se fait wipe. Du coup là ils veulent juste push la wave. Et Zeus en plus qui joue pas sur la wave comme s'il n'était pas confiant, ce qui doit encore plus faire douter, je pense, Broken Blade et Yankos. Goumaï aussi, toujours cet avantage de push en faire de la botlane des T1. Et on voit que Honor, intelligemment, plutôt que de venir en soutien de sa top lane, il dit de toute façon top lane on ne risque rien. Par contre, là où les G2 peuvent accélérer, c'est bot side, c'est mid bot. Et du coup, je vais utiliser l'information que Yanko c'est top pour push hard, pour aller attaquer le bot side et aller prendre de l'information, même si là il est vu grâce à cette bonne. La bonne ward, attention, Caps qui tente d'accélérer sur Faker. Faker qui déclenche ultimate directement. La cleanse du côté de Caps, ça connecte du côté de Faker. Caps qui survit. Il n'avait pas les dégâts, Faker, pour prendre de le létal. Mais Caps qui va devoir, attention, reset sans doute. Targa masse pris par le hook de Keria. Ça ne passe pas. Peut-être l'arrivée de Flakhead. Et s'il n'a pas ultimate Flakhead, il ne peut pas déchaîner les enfers. Et là, c'est le rush du côté des T1. Le slow sur Flakhead est trouvé. Flakhead avec un flash. Flakhead, il faut flash out. Pas de mort encore dans ce match, mais ça s'agite, les summoners tombent les uns après les autres. Duke. Ouais, c'est pas bon signe pour les G2, parce que normalement c'est leur terrain de jeu, le bot side, le mid bot, ils devraient pas se faire bousculer, la bot lane des T1 devrait pas être là, la première surtout. Ah, quand tu joues Karma, Miss Fortune, Létalité, Comet, Aeri, tu dois pas te retrouver avec une Zaya qui arrive en premier sur la mid lane. Ouais. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer. Et encore moins avec 15 formes de retard. Il va obtenir une plaque Goumaï aussi. Yankos, est-ce qu'il y a un petit passage niveau 6 qui peut remettre les G2 dans le sens de la marche? Si ça y est, la paranoïa du Nocturne, il n'y a pas d'ultimate sur Goumaï aussi, il n'y a pas encore de flash pour le Karia des T1. C'est peut-être
un bon play du côté des G2, peut-être le first blood ici à venir, oui, oui sans doute, Gumayusi n'a plus d'option, c'est un first blood en faveur des G2, attention ici l'arrivée de Honor également Yankos, oh le soutien de Honor, mais Honor n'est pas encore niveau 6, il ne pourra pas prendre de kill first blood en faveur de G2. Ouais très bien joué de la part des G2, c'était pas loin, attention pendant ce temps là sur le top side, Brooklyn qui continue de se faire martyriser par Zeus, mais... il tient, pendant que sur la botlane on a pris le kill, attention Honor, est-ce qu'il a récupéré son 6? Il va récupérer son 6 là bientôt. Keria, le slow trouvé sur Flakhead, Honor qui se projette vers l'avant, l'onde sonore qui connecte, et le hook de Keria également, c'est le kill récupéré par Honor. Les T1 qui bluffent le reset et qui stoppent sur l'opportunité. Ouais, ils sont forts les T1. N'est pas le 6, je pense que Honor pensait de récupérer sur les quelques creeps, mais même sans ça, ils réussissent à prendre le kill. On va revoir là-dessus. Yankos qui arrive très rapidement sur son 6 avec son Nocturne, ça farme bien. Et on va utiliser l'absence de flash de Gumayusi. On n'est pas passé loin du reset. Hein. Targamas qui est quasiment mort. Et là, très bon flash de Yankos. Hein. Oui. Sur le flash de Honor pendant que Flakhead met son corps en opposition pour éviter l'onde sonore. Heureusement qu'il n'y avait pas d'ul parce que là, sinon il faisait un strike. Ouais, Flakhead qui aurait failli penser qu'ils avaient reset. Bon attention, c'est parti, Broken Bed qui force le flash pour l'instant là, oh là là là, le très belle la Renata, derrière. Attention à Caps, Caps qui reste tout de même en position, le retour dans la mêlée du côté de Faker, l'ulti 1 ouais, et le R2, Caps qui va tomber, le R2 du côté de Faker ne connectera pas sur Targamas, mais il est ralenti par le Max Fresh des Kunai, encore un slow Targamas qui est condamné, qui ne pourra plus rien faire, 3 kills à 1 en faveur de T1, 2000 gold d'avance. Ouais, c'est un peu la cata là, parce que derrière ça va enchaîner sur un Herald, alors certes on prend des gold bot side, mais bon, hein, une MF létalité, du coup c'est pas le, le meilleur champion déjà pour faire tomber des plaques, et encore moins pour en profiter, et du coup les T1 qui vont prendre ce Herald tranquillement, je sais pas si on a pris des plates top depuis tout à l'heure, on a pris une bot, on a pris vaguement, on va en prendre une. Bah, ça vient petit à petit, et Zeus qui a encore le temps, oh 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 oh. Oh, Broken Blade prend beaucoup de dégâts, il a loupé sa charge. Allez. Oh, peut-être, peut-être pour le style ici du héros de la faille. Il est précieux celui-là, il est récupéré par les T1. Ouais, par les T1, finalement, Honor qui va pouvoir s'avancer. Allez, Caps, Caps qui va peut-être prendre un kill. Keria, Keria qui ne réussit pas à prendre son reset. Gumayusi qui ultime. L'arrivée de Zeus, hein. Yankos est condamné, Yankos n'a plus aucune option. Pareil du côté de Targamas, peut-être Caps. Il a un Ignite, Caps qui va tenter de danser autour des joueurs qui ont le sidestep de Zeus sur la tentative de bulle. C'est un double kill pour le Lee Sin de Honor, ils ont récupéré le héros de la faille, les T1. C'est le naufrage pour les G2. Ouais, on tente tout ce qu'on peut du côté des G2, on ne se laisse pas mourir, mais malheureusement, on en finit quand même par tomber au pied des T1. C'était la, la fuite en avant pour les G2. Là, on a Gowin, il fallait le faire. Il fallait le faire encore une fois. Hein. C'est pas. C'est vraiment. C'est tout à leur honneur, je pense, d'essayer ce genre de move. Je l'ai. Malheureusement, malheureusement, eh bien, il n'y avait plus grand chose derrière et on se dit, bah, on est en train de se faire encercler. Du coup, on se retourne vers un de nos flancs. On prend le kill sur Keria, mais derrière, tout le monde est hors fight. Brokulmane forcé le flash out. Yankos qui tombe à son tour. Targamas qui n'a plus rien. Oh, l'accélération directement au niveau de la mid lane. Vous voyez dans l'encart en bas à droite, les T1 qui vont arracher la première tour du match sur cette mid lane et faire le break au niveau des golds. C'était pas, le plan de jeu s'est pas passé comme prévu. Hein. Clairement, oh, y a, Faker oh, y a, sur Flakhead. Flakhead qui n'a pas vraiment d'option. Hein. Je ne sais pas si vous jouez à des carries, mais là, eh bien, c'est le moment où vous ne vous amusez pas. Oh, y a, t'as aucune chance. Tu n'as aucune chance avec un AD carry contre une Akali. Il y a un flash du côté peut-être de Kumayusi. Oh, l'ultimate de la Renata qui vient ratisser la position des G2 et Keria qui repasse à l'offensive. L'onde sonore qui connecte du côté de Honor. Caps, le flash out pour Caps. Il survivra. Et voilà, encore, on paye des summoners du côté des G2. Les T1 qui continuent d'accélérer. Et au top, Zeus a un boulevard devant lui. Ouais, c'est déjà le chaos absolu dans le camp des G2. Oh, il a kick dans le Z. Il a kick dans le Z, Honor. Est-ce qu'il veut Red Smite, hein, le Red Smite qui travaille fort. Mais Broken Blade avait cette fatigue en main. Keria, qu'est-ce qu'il est bon là sur le go-in des G2 quand il met son ulti vraiment pour séparer complètement et protéger Gumayusi. 12 plaques en faveur de T1. Ouais. Ils devaient pas avoir leur lead game, Duke. Non, mais ils l'ont eu. Là, ils l'ont eu, mais très largement. Je pense que. Il va falloir un peu plus d'XP pour la botlane G2, pour, notamment pour les Worlds. Ouais.
Ah, les botlanes asiatiques, hein, c'est... on dit souvent que c'est un tout autre niveau. Mais Caps a tenu, je trouve. Bah, a été même très bon. Oui. Ça. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Après, est-ce qu'il y a encore un monde là-dedans ? En fait, faut qu'ils sortent un pur fight. On sait qu'avec le Horn, c'est le genre de choses que les G2 sont capables de faire. Mais il y a Xayah, il y a Akali, il y a Renata. Il y a des flashs. C'est ça le problème, c'est qu'ils les ont tellement peu mis en danger. En fait, les compos en gage se snowball un peu comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je disais ? Il faut du chaos dans ce genre de game. Regardez comme il les respecte pas. Là, il y a... Oh, peut-être. Ou Mayusi qui garde tranquillement son ulti et son flash. On ne panique pas. Contre les deux solo laners G2 qui sont les deux plus grosses menaces pour eux. Et ils ne reculent même pas. Caps. Ou Mayusi qui évite les deux skill shots de Caps. Et Honor qui repasse à l'offensive. Lignette qui tourne. Targamas est condamné. Honor se jette en avant. Attention à ce dive du côté. Est-ce que Caps peut outplay potentiellement Caps qui va tenter de tout donner. C'est trop difficile. Même pour Caps, c'est au top. Flakhead est en difficulté. Nouvelle fois, Faker, ça ne suffira pas. Et cette fois-ci, peut-être le kill. Non, il n'a pas la portée, malheureusement, Flakhead. C'est terrible pour Flakhead. Dommage, il n'était pas mort cette fois-ci, Flakhead. Allez, pour l'honneur. Bibi, oh, le flash out de Faker, il avait encore cette option. Ils ont encore tous leurs flashs, quoi. À chaque fois qu'on essaie de les prendre, ils ont leurs flashs. Et bon, total. C'est Zeus qu'on n'a pas tant vu que ça, mais en fait, parce qu'on l'a pas vu parce qu'il est occupé à prendre des plays dans tous les sens. Ouais. 1-0-2 pour Zeus, les 50 farms d'avance sur Broken Blade. La Targamas qui marche sur de la vision T1 qui est directement puni. Oh, ça connecte pour Honor. Honor, ouais. Il a loupé. Je crois que son E a pas mis de dégâts. Il a mis un tout petit peu trop tard sur l'activation de son R. Ouais. Mais bon, enfin. Vraiment naze. Pas incroyable celui-ci, non. Et attention Zeus là qui devrait tomber. Oh, il a peut-être plus d'options, ouais. Zeus il doit être... Il a plus d'options. Petite mort isolée du côté de Zeus. Quoique. Oh non. Oh non. Oh non! Y'a la Renata qui met au fond. Mais Keria! Telmata présent au moment opportun. Attention, Targamas, le kick flash ici! De Honor! C'est un massacre, chez. C'est un massacre. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu c'est comme ça, mais après. C'est souvent. Ça a souvent été comme ça dans les rencontres contre T1, dans les BO5. Souvent, le match le plus serré pour l'équipe en face. Allez. La rencontre suivante se termine par un stomp. Attention, peut-être ici, le flash out de Goumaï aussi, les T1 qui reprennent l'initiative. Peut-être bon mouvement du côté de Caps, Honor qui va être endormi, mais Caps n'a plus vraiment d'options. Et Zeus sur le mur et pendant ce temps-là, entre Goumayusi et Caps remporté une nouvelle fois par Goumayusi. Faker, il trouve le slow sur Flakhead, l'accélération du nouveau du côté de T1 Honor qui va pouvoir prendre le relais, le qui connecte du côté de Faker et le kill est récupéré sur Flakhead. Les G2 se font hacher menu par les T1 qui sont en route devant leur public à Busan vers la grande finale du MSI face au Royal Never Give Up. Ouais, c'était un massacre, ce ne sont pas les champions de Corée, j'ai l'impression que c'est un peloton d'exécution qui est devant les G2. Ils se font massacrer les uns après les autres. 15 kills déjà en 16 minutes. Bon. Finalement les G se sont pas si mal défendus hier. Ça c'est au RNG. Ouais, quand on y pense. Mais bon, il y a 6-0 pour l'Europe contre l'ENA dans ce MSI. Après, le problème, c'est que les T1 sont arrivés dans la compétition, ils ont fait pas mal d'erreurs de Nash. Faut pas oublier qu'ils avaient des gros avantages en early game quand même. Mais on les avait presque... Enfin, c'était un petit peu redescendu, la hype T1 par rapport à cette équipe qui était invaincue en arrivant au MSI. Mais c'était peut-être aussi la meilleure équipe T1 depuis très longtemps. Ouais. Peut-être la meilleure depuis 2016. Ouais. Oh là là, Caps qui va prendre la police. Oh, le burst de Zeus. La foudre s'est abattue, mais les G2 arrivent en nombre pour venger leur millénaire. Zeus, non, il va pas en prendre deux. Il va pas en prendre deux, mais il le fait, Zeus. Le double kill est trouvé. Et les G2 qui arrachent finalement
à 5 contre 1 le kill sur le top laner des T1. Aïe aïe aïe, derrière ça va peut-être partir sur une petite session de danse du côté du Herald. Est-ce que les T1 vont pousser l'humiliation jusque là? J'ai l'impression qu'ils veulent le faire crash. Ils peuvent pas finir. Non, ils peuvent pas finir là. Non, ils peuvent pas finir, mais. Ultimate Fortune est mobilisé pour Flakhead et pour les G2. Les T1 qui décident d'over, c'est joli, joli hook ici de Keria. La bulle ne connecte pas. Pour les T1, il faut reculer désormais. Allez, on tire jusqu'aux 20 minutes. Au moins. Au moins pour les G2. Et là. Eh bien, les T1, je regarde un peu leur score. Je crois qu'ils sont malheureusement absolument tous fed, sans exception. Oui. Oui, oui. Il y a des shutdowns partout. Il n'y a que Keria qui n'a pas de shutdown. Ouais. Et là, Zeus a one shot. Enfin, watch. À 100-0. Là, Zoé de Caps. Et là, il a tellement bien joué en mine. Il a tellement bien kite et en cause. Il avait encore son jump. Il me semble. Ouais. Oui. Là, il. Oh. En plus, il jump dessus. Petit jump dessus. C'est tellement bien joué. Il a beaucoup de dégâts en plus. Il joue Triforce, quoi. Ouais, ouais, il joue Triforce. Ouais. Donc là, il était en mode stacké. C'est. Ouais. Bah écoutez. Sur une map infernale en plus, on n'avait pas ouais. forcément besoin de ça. T1 était trop fort pour les G2. Ils auront essayé les G2. On espère que RNG vont quand même être à la hauteur demain. Je pense que oui. Oui, oui, je pense qu'il y a un gros BO demain. Ouais. Très, très gros BO, honnêtement. Attention, Broken Blade, en temps d'accélérer. Peut-être. Sur Goomai aussi. Ah, on sent qu'il n'y a plus de jus chez les G2. Il n'y avait pas d'ulti pour Broken Blade sur ce play. Et Goumay aussi qui n'a pas tremblé. Hein. Il n'a pas ulti pour rien. Ah, peut-être l'accélération de Targamas. Oh mon dieu. Alors, est-ce qu'on dive là-dessus? Est-ce qu'on dive côté T1 en 5v5 hein? C'est un 5v5 sous tour. Absolument. Le flash hit de Keria. Mais what? Mais what? Et derrière, Faker qui se bat. Non, mais le flash hit de Jazz également. Les T1 qui annihilent. Les G2 Esports. Il n'y a aucun mort. Il n'y a aucun mort et pourtant on parle d'un play entre deux tours pour les T1. Téléportation mid, les T1 qui vont finir la game. C'est un 20 minutes pour conclure ce BO Duke. À 20 minutes, cinglant, un des plus violents que j'ai pu commenter. Mais écoute, les T1 sont juste bien plus forts que l'Europe sur ce MSI. Honor qui vient se repaître du cadavre de Flakhead et ce sera à 20 minutes cinglant. Et force au G2 hein. Force au G2, ils se seront battus mais en face il y avait un monstre. Les T1 qui s'imposent 3-0 dans cette demi-finale du MSI devant leur public. Petit signe de victoire mais le gros morceau arrive demain pour les T1. Ouais. Le public qui vient d'assister à une exécution. Et là, il y avait un monde d'écart. Ça a commencé dès les premiers niveaux de la lane, Duke. Ouais. Bah, c'est la lane qui snowball, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai aucun doute que les G2 en mid-game, ils ont beaucoup d'atouts. Et ils auraient pu potentiellement se battre contre une équipe T1. Ça, j'en ai aucun doute. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de mid-game en fait. On n'arrive jamais au mid-game contre T1 parce que la différence en face de lane est juste colossale. Et il le disait Keria en interview, hein. La faiblesse des G2 c'est leur face de lane. Une faiblesse qui a été parfaitement exploitée par les T1. Et pourtant c'est notre meilleure équipe européenne, Duke. Bah ouais, mais... Petit écart forcément, léger écart entre la Corée et l'Europe à l'heure actuelle. Ah, mais on va repartir de là avec beaucoup d'expérience pour Flakhead, pour Targamas. C'était leur première compétition internationale, les G2, qui sont quand même ovationnés par le public coréen de Busan. Merci messieurs pour ce MSI. Merci pour les sensations. Et maintenant il va falloir retourner avec tous les acquis, toute l'expérience en Europe. Ah, ils auront pris ils vont game. Pas être faciles à arrêter en Europe, je pense, les G2. Ils auront pris une game au T1, la première, sur une bonne draft. Mais bon, ils les auront fait saigner une fois.
espérons qu'on arrive plus préparé pour les Worlds. Faker a été impitoyable. Il les a renvoyés à la maison comme il l'avait annoncé. Ouais. Rodrigo, l'analyste. DG2, Ivy et Caps. Et en cause dans le dur, forcément. Caps qui a tout donné, mais. Après, je pense aussi qu'il y a eu un peu ce que je disais depuis le début sur G2, c'est qu'il y a un peu une perte de vitesse, de maîtrise, d'avantage de draft. Oui. Côté G2, où on était largement devant en début de compétition, on était largement devant en LEC. C'était quand même de moins en moins le cas, voire quasiment l'inverse, je trouve, sur la fin. Oui. Ça, ce pic, ce refus du pic Zaya, je pense qu'il a fait mal. Mais ils ont des infos qu'on n'a pas aussi. Peut-être que c'était qu'il y a des problématiques de draft qu'on ne voit pas. Oui, souvent le cas, oui, dans les équipes. C'est facile de commenter à notre place, à ma place là, mais. Oui, c'est facile de dire, mais là, le meilleur pick, ça aurait été Illaoi Duke. C'est ça, et ça s'avère que si ça se trouve, il y a des champions, peut-être qu'on pense pas, des counters que T1 joue aux champions que G2 joue pas, donc du coup, si tu piques ça, tu vas te faire punir aussi. Oui. Donc t'es un peu dans un scénario perdant-perdant. C'est souvent le problème, et donnons-leur le bénéfice du doute, vu à quel point ils ont parfaitement draft depuis janvier. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, il est temps d'aller débriefer cette deuxième demi-finale du MSI, ce 3-0 en faveur des T1. Messieurs, en plateau, c'est à vous. Merci Chib, c'est oui, c'est la fin. C'est la fin de ce MSI pour les G2. Pour l'Occident, tout simplement, on aura une finale Corée contre Chine. Les deux régions qui arrivaient en tant que favoris. Mais on a pris une petite pastille, il aura fallu plus de temps pour peindre le corps de Romain Bijard que de temps au T1 pour finir ce best of five. Oui, oui. Twix, oui. Toi qui as le cœur à moitié lourd et à moitié empli d'allégresse. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une journée où j'étais gagnant-gagnant. Soit c'était T1, soit c'était G2. Perdant. Avec l'Europe et Targou. Bah non, pas du tout, puisqu'il y a automatiquement une des deux équipes qui gagnent. Et qui perd. Espèce d'idiot. Tu regardes le verre à moitié plein, Twix. Toujours, absolument toujours. Mais il est vrai que je ne m'attendais pas forcément à une performance aussi cinglante de la part de T1, mais il est vrai que les problématiques rencontrées par les G2 les ont poursuivies très longtemps. Oh, ça. Ça, c'est mon move préféré du MSI. L'Ignite. Ouais, l'Ignite, ouais, seulement mais l'Ignite. Ce que fait Faker, c'est vraiment mal. Mais regarde le. Ouais, c'est dur. Parce qu'en vrai, si Cap, je pense que ça le perturbe dans sa game, parce que si Cap, s'il le prend ce solo kill, en vrai, il lui mettait une fessée, c'est normal parce qu'il a le match-up, tu vois. Mais c'est en vrai, illégal. En V1, ce que faisait Cap, c'était quand même du très très bon, mais sur les side lane, quand t'as Karma Miss Fortune, ils ont double counter pick, ils prennent ça. Le gap est colossal. Et on pensait en Rumble Stage que peut-être que G2 allait pouvoir faire quelque chose. C'est double 3-0 et c'est double 3-0 où T1 et RNG, ils n'ont pas eu à montrer grand-chose et ils n'ont vraiment pas eu à forcer. C'est vrai qu'au-delà de la draft, il y a d'abord effectivement eu un gigantesque problème dans ce BO sur les side lane. Voilà, ouais. On se fait. Sulfuro, Astro, gap. Ah bah il est. Pour G2, ouais. C'est vraiment pas des clowns. Non. C'est des très 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 bons joueurs individuellement. C'était très bons joueurs de League of Legends. Mais T1, c'est juste un autre niveau, tout comme peut-être RNG. Et en termes de phase de lane, ils les font passer pour des clowns, ce qui est terrible. Twix, justement, oui. Goumé aussi, qui rentre très mal dans son tournoi. On le sentait un peu tilté. Là, triple Xayah, absolument intouchable à aucun moment. Que ce soit de la phase de lane, au moment où il arrive sur la lane au niveau 1, mm-hmm. jusqu'au moment où le Nexus explose, on a l'impression que le joueur marche sur l'eau. Le pic parfait pour redonner de la confiance à un joueur qui l'a perdu. Énorme filet de sécurité, pas véritablement de hard counter match-up et des options offensivement, défensivement. C'est peut-être la chose qui me manque le plus dans le BO des G2, c'est essayer de mettre Goumay aussi dans une situation où il n'a pas toutes les clés en main dans son match-up, dans son destin, dans les décalages qu'il peut y avoir à gauche, à droite. Et c'est un petit peu la seule piste qu'on n'a pas du tout explorée côté G2, c'est fort dommage. Mais ils avaient d'autres problèmes, des problèmes nombreux, notamment un problème de topside qu'ils ont dû adresser très tôt dans la draft. Et malheureusement, tu ne peux pas contourner le fait que, même en dépit des ajustements qui sont faits pour donner à Bibi le match-up le moins dramatique, ça reste un drame. Ça reste un drame. Alors très tôt, tu disais que justement, les G2 n'avaient pas poussé les T1 n'avaient rien montré. On a vu quelques pics tout de même qui ont été montés. Cette Tristana Mid dans un Galio, ce Yone top dans les deux contre un tank. Cette Akali était bien. Cette Akali ici. On a vu quelques petites choses quand même. Tout comme RNG a montré un petit peu la Lissandra aussi. Il montre quelques petites choses pour peut-être la finale ou même parce qu'il pense que c'est tout simplement fort. Et c'est. En fait, quand on découvre des pics comme ça,
c'est qu'on voit aussi qu'ils ont de l'avance. Et c'est là le gros problème pour les G2, c'était eux qui avaient l'avance au début du Rumble Stage. À la fin du Rumble Stage, ils ne l'avaient plus. Et là, l'écart s'est encore creusé avec bon, ce dive. Et enfin, ce qu'ils font, c'est tellement. C'est, le kick est incroyable, l'ulti-flash de Renata est incroyable aussi. Mais du coup, on voit que T1 et RNG ont de l'avance. C'est pour ça que leur rencontre va être aussi importante. Et pour G2, je pense qu'il y a quand même du bon à retenir. Parce qu'il y a certains moments. Et je pense que c'est pas forcément que les drafts, c'est aussi la confiance qu'ils avaient. Au début du Rumble 16, quand ils étaient en confiance, les G2, ils avaient la capacité de monter leur niveau mécanique, de monter leur niveau de lane, pas forcément au niveau de T1, mais d'en être pas si loin. Et c'est là-dessus qu'il faudra retenir les G2, je pense. C'est là-dessus qu'il faudra les attendre pour le Summer Split. Ils peuvent progresser, ils ont encore des jeunes joueurs à l'international. Leur side lane, c'est que des jeunes joueurs à l'international, à part Bibi qui a fait avec l'ANM, mais bon, ça compte pas trop. Et donc, peut-être que pour les Worlds, c'est une équipe qui peut quand même. Qui est l'une des rares en Occident qui peut aller faire des trucs à T1, à RNG. Elle est très jeune cette équipe. Je me tourne vers toi, X. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup d'âge hein, chez T1 aussi. Ouais, c'est que des papilles. J'avoue qu'en termes de moyenne, j'imagine que T1 est largement en dessous. Mais les G2, c'est quand même une équipe qui est assez jeune, notamment sur deux positions qui sont assez importantes, qui aujourd'hui ont particulièrement subi. Ouais, bon. Bah, voilà. Fin du MSI. On part aux demi-finales. On n'est pas déshonoré. C'est pas mal. Il faut voir aussi, je suis très curieux du coup de voir le niveau que j'ai de Rao en Summer Split. Comment ça va faire monter le niveau de l'Europe. Il va falloir se reposer quand même parce que là, on a un petit peu enchaîné. Hein. Ils ont carrément enchaîné, mais encore une fois, faut un peu oublier ce BO là et faut reprendre le positif du Rumble Stage qu'il y a eu pour G2. Bien entendu. Et à tous ceux qui diront que l'Europe fait le même résultat que l'Amérique du Nord parce que double 3-0 en demi, 6-0. On s'en souvient. Ah oui, non, mais ça, par contre. 6-0. Et on va voir si T1 gagne. Il y aura des détracteurs. Si T1 gagne le MSI, on pourra dire. Perdu contre le gagnant, voilà. Plus 6-0, plus ratio. Non, sans vouloir dénigrer et no flame. Donc, pour moi, c'est un top 3 validé pour G2. Oui, là. Très honnêtement, c'est là où on les attendait dans ce MSI. On pouvait pas véritablement espérer plus, ça aurait été un véritable exploit. Oui, et on n'est absolument pas en train de dire que l'Amérique du Nord pue la mort, on dit juste qu'on est bien meilleur. Exactement, ce qui n'a rien à voir. Il y a une claire délimitation entre top 3 et top 4. Il y a limite une plus grosse délimitation entre top 3 et top 4 que top 3 et top 2. Ça s'appelle l'Atlantique. Ah si, on a pris des games à T1 et à RNG. Oui, réel. Oui. Bah, donc il y a une délimitation qui est moins grande qu'entre 3 et 4, c'est réel. C'est accordé parce que c'est dans le but de trash les NA, donc c'est accordé. Le point pourrait être éventuellement débattu. Le joueur du BO, eh bien, on a tenu à le donner à Goumayoussi. On aurait pu mettre Zeus qui est incroyable, on aurait pu mettre Faker qui est incroyable, on aurait pu mettre Karia qui est incroyable. N'importe qui. On aurait éventuellement pu mettre Honor qui a été incroyable, mais Goumayoussi sur Sakzaya, à aucun moment, il a lâché du lest. On l'a dit, de la phase de lane dans les teamfights. Il était parfait. C'est surtout parce qu'il est revenu dans ce tournoi que c'est très important. Et qu'en phase de knockout, en phase de rumble, il s'est fait surprendre, il s'est fait déborder. Sa performance n'était pas forcément la plus clean possible. Disons qu'il faisait plus d'erreurs que d'habitude. C'est d'ailleurs un témoignage qui est revenu de la plupart de ses coéquipiers. Mais sa forme n'est pas perdue. C'est toujours Goumayoussi, c'est toujours Goumayouchiche, toujours Goumayonnaise. Il est toujours absolument monstrueux. Et demain, c'est probablement la plus belle affiche de Botlane à Botlane. Hey, justement, Galaming, Goumayoussi, Keria. Est-ce qu'on n'a pas les deux meilleurs duolings du monde ATM du monde. Si, du monde. C'est si on va chercher chez Genji, peut-être. Non, c'est les deux meilleurs duolings. Rouleur, l'empereur. Non, faut Galaming. Je parle à des gens qui connaissent la LCK, des gens qui ont du goût, des gens qui ont l'expérience. Je peux pas mettre Rouleur en dehors de l'équation, c'est très clair. Mais bon, il est pas là, donc mettons les RNG. C'est RNG. Pour moi, c'est les deux meilleurs duolings du monde. Et ça va être très intéressant de suivre ce duel parce que T1 sur Xayah sur Aflo, c'est très costaud. Il a repris de la confiance comme aussi. RNG, il y a moyen qu'il les bouge de ce champion. Je pense qu'il n'aura pas Xayah aussi gratuitement en finale. Et la question, est-ce que Goumé aussi sur Kai'Sa, sur Tristan, sur le champion, sur Kai'Sa aura le niveau? J'aurais tendance à dire que oui, avec la confiance qui lui manquait peut-être avant dans ce tournoi. On n'aura pas les mêmes difficultés top lane parce que Bin peut aller chercher des champions beaucoup plus. Sur lequel on peut beaucoup plus investir. Il a Gangplank, il a Gwen, il peut répondre directement, il peut pick même avant Zeus. Donc à partir de là, on va libérer beaucoup de choses et donc probablement de la place pour bannir ce bot. Du coup, il ne reste plus qu'une seule question. Est-ce que Faker peut tenir Xiaou? Oui. C'est pas pour moi. C'est... Sans vouloir. Je pense que Cap c'est un peu plus difficile à tenir que Xiaou, à part son explosivité, j'entends. Mais en vrai, les deux midlaners Xiaou Faker se je dirais qu'ils se ressemblent un petit peu en quelque sorte, c'est-à-dire ils sont inamovibles sur leur poste, extrêmement stables. Maintenant, il a un Galio là où Faker, je suis pas sûr qu'il l'ait. Mais il a une réponse à Galio qui est Tristana et il en a peut-être d'autres.
Faker. Donc c'est, pour moi, c'est plus est-ce qu'il peut tenir le Galio de Xiaou. Et la réalité, c'est que le match-up mid lane, de mon point de vue, dans cette finale, est peut-être le match-up qui est quasiment le moins important sur la carte. J'entends bien. C'est bien ça. Dit, Tréton. Bravo. De rien. Bravo. Et je te félicite pour cette analyse qui permet de conclure cette journée. Okay, c'est les couilles. Dis donc, langage. Ah, j'ai, pardon, pardon, excuse-moi. Tu vois, j'allais parler de l'abonnement en disant que ça nous ferait vraiment plaisir et que ça compterait beaucoup pour nous que les gens s'abonnent. Mais après ta phrase. Je me dis, voilà, est-ce que... Mais on promet que dans tous ces abonnements, absolument rien ne sera reversé à toi. Ah, ça, c'est très vrai. Ça, voilà, ça, c'est une bonne motivation. Là, normalement, voilà. C'est hype train. Sur tous les abonnements, là, maintenant, qui partent de là, aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de mai, on ponctionne l'équivalent sur le salaire de Tréton. Voilà. Et s'engage. Bah, et en négatif, il nous doit de l'argent. Exactement. Donc, bourré, pour mettre Tréton à la rue, ça nous ferait plaisir. C'est super. Ah oui, parce qu'il a hypothéqué la maison de ses parents aussi, donc on peut éventuellement aussi s'attaquer. Ah oui, d'accord, aussi la famille aussi. Ça va. Famille de Tréton qu'on embrasse, bien sûr. Qu'on adore. Et notre porte sera fermée. Évidemment. C'est le mec horrible, c'est le cauchemar. Non, des bisous. Ouais, non, mais abonnez-vous quand même. Non, mais voilà, des bisous. Et si vous avez un petit prime, un petit abonnement qui traîne, si vous avez raté les matchs, parce que ça se passe tôt le matin et que personne ne se lève à 9h du matin un samedi ou un dimanche. Mais dimanche, demain, réveillez-vous pour 10h, parce que la finale RNG T1, ça peut être un des meilleurs niveaux de League of Legends qu'on a vu depuis un bout de temps, surtout en termes de playstyle, ça va être super intéressant. Ouais, et ça va être beaucoup de sang, beaucoup d'agressions, très dynamique. Voilà, normalement, une très, 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 très belle finale qui nous attend demain. 9h30 le pré-show, 10h le coup d'envoi avec la cérémonie d'ouverture du MSI. On vous remercie de nous avoir suivis toutes et tous aussi nombreux aujourd'hui. Malheureusement, c'est effectivement le cœur lourd que les Européens vont rentrer chez eux. Le cœur moins lourd que les traîtres Twix et Chips vont rentrer chez eux. Ose dire à Chips et moi-même que nous n'avons pas été pixel aujourd'hui. Vous avez été pixel. On a été incroyable. Je n'ai pas, bravo, je n'ai pas trop entendu de fanboyisme, évident. Mais encore merci à tous. Prenez soin de vous. Le pouce. Passez une très bonne après-midi et on se dit à demain matin sur OTP. Salut tout le monde.